Bonjour et bienvenue au Géoligar Show volume 2 avec Julien Géoligar et ses invités. Salut Julien. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, dimanche compliqué pour le Castres Olympique. Déjà je vais commencer par un petit tour de table pour vous présenter nos invités du jour. Donc on la présente plus, toujours à mes côtés, mon bras droit, Isabelle. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va. Le match? Un peu compliqué, on en parlera après. Très bien. Celui qu'on ne voit pas, que vous allez entendre en voix off, c'est le chef de la sonnette, le réalisateur Thomas Séguier. À ma gauche, grand ami Laurent Picouza. Attention, parce qu'il faut bien que je le dise, hein. C'est un conseiller municipal délégué au quartier et aux commissions sport. Ça fait beaucoup de choses. Bonjour tout le monde. Et Frédéric Calmette, qu'on ne présente plus quand même, qu'on connaît. C'est un visage connu au niveau du Castres Olympique, puisqu'il est entraîneur des Goderman, première année cadet. Bonjour à tout le monde, effectivement. Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. On va rentrer dans le vif du sujet. 23-14, je pense que c'est un match très très compliqué. On se retrouve... Oui, t'as oublié qu'il y a un jingle d'abord. Jingle. Ah, jingle, ah. Merci. Faut qu'on s'y remette. On vous a entendu. Bien entendu. C'est bon, en fait. De temps en temps, on coupe pas les micros non plus. Hein. Comme ça, au moins, on s'embête pas. Donc, pour commencer sur ce match, eh bien, 23-14. Bon, un score quand même plutôt flatteur vu la physionomie du match. Quand je dis flatteur, parce qu'on revient de loin quand même. On a des premières minutes plutôt intéressantes, hein, jusqu'à 5-7, où on a la balle en main, on essaye de donner du rythme, on essaye de les prendre en vitesse, ce qui est pas mal, on balaye pas mal le terrain, on se déplace plutôt bien, puis il y a cet essai de Sanconi qui vient nous frapper sur leur première incursion en fait dans notre camp. Mais derrière, les choses s'enchaînent plutôt négativement, on en prend un deuxième à la dixième minute suite à l'interception du jeune Guibert justement qui occupait le poste de demi d'ouverture pour le Racing. On va d'abord, avant de parler sur la physionomie du match complet, je pense que c'est 15-20 premières minutes, il faut peut-être revenir dessus. Comment vous avez ressenti le match, toi Isabelle, déjà, tu étais au stade... Au stade, oui, on a... Mais puisque le Castres Olympique a ouvert à tous les supporters, ou non, du Castres Olympique, qui voulaient voir le match. Donc on a regardé ça tous ensemble, en mangeant tranquillement. Bien l'entame de match, on a toujours le ballon, c'est pas mal. On fait courir le Racing, on occupe, on était bien. Et puis, première incursion sur la pénale touche, on encaisse, comme tu as dit, cet essai. Puis derrière, on est sur une attaque de l'autre, dans leur camp du Racing. Et puis, Rado est un peu échaudé, il fait une mauvaise passe. Et puis, l'interception de Guibert, le petit jeune espoir du Racing, qui s'en va entre les perches et qui nous fait très très mal, puisqu'on prend deux essais en affaire de 2 ou 3 minutes. Donc après, ça a été difficile, on a couru derrière. Ils nous ont privés de ballon à ce moment-là et on avait l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Bon, petit à petit, on est revenu un peu dans le match. Voilà, après, on va laisser parler Frédéric pour voir son analyse aussi sur les premières minutes. On prend 3 minutes où on tient bien le ballon. Ils arrivent à enchaîner, ça joue un petit peu debout, ce qui est un petit peu nouveau cette année d'ailleurs. C'était assez intéressant. Là. Et puis, on encaisse 2 essais, 20 minutes, 17-3, je crois qu'il y a eu 17-3. C'est vrai qu'on a été chahuté en touche sur notre propre conquête, en mêlée, on a fait beaucoup de fautes. Donc on n'a pas eu des ballons propres pour attaquer. Heureusement que la seconde partie de la première mi-temps est meilleure. Parce que ça pouvait laisser entrevoir le score beaucoup plus lourd à la fin de la première mi-temps. Ouais. Voilà, donc après tout a été dit, effectivement, ces 2 essais. Bon, ce n'est pas des essais qui sont construits, hein, puisque le second c'est l'interception, le premier c'est... Voilà, le premier, c'est sur l'enchaînement. Ils sont quand même relativement denses, beaucoup plus denses que nous. Et donc, à un certain moment, à 2-3 mètres dans le but. Là. Je pense que là où on loupe le coche, on en parlera, c'est à la fin de la mi-temps. Cette pédale touche. C'est 3 points, encore une fois. On en parlait là. Alors, je vous interromps parce que ça réagit déjà pas mal. Il y a Patrick Fabien en direct qui nous dit « Gros problème de seconde ligne ». Alors... On allait en venir justement, je pense que là sur la complémentarité on fait rentrer Rodrigo qui est un joueur cadre de l'équipe, on ne le présente plus. Il fait une reprise après 6 mois d'arrêt sa compétition, son premier match officiel. Compliqué parce qu'il se retrouve avec à ses côtés Nkinzi avec qui il n'a jamais joué un match officiel. Il n'a jamais joué un match avec lui et ils ne sont pas encore complémentaires, je pense qu'il faut... laisser le temps aussi un petit peu à tout le monde de reprendre ses marques parce que bon, un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois,
aussi, c'est pas si simple que ça. C'est du haut niveau. Je veux dire que les autres en face, ça va vite. Hein, ça nous a pas attendu. Et je pense vraiment que la complémentarité, là, peut-être que c'est vrai sur cette feuille de départ. Peut-être que oui, on aurait peut-être dû jouer l'expérience en alignant un Sanson qui aurait pu accompagner et qui sont assez complémentaires d'ailleurs même. Sur les densités des rucks, on voit bien que Capot est un gros plaqueur, il est assez lourd, et que Sanson, lui, aime gratter, c'est presque un quatrième, troisième ligne, donc du coup, ça nous fait du bien. Là, Nkinsia était un peu en retard sur les actions défensives, on voyait que sur le replacement, et là où ils ont été très très intelligents, c'est que sur les rucks, ils ne venaient pas s'y mêler, par contre, nous, sur les leurs, on consommait beaucoup trop de joueurs. On ne peut pas se permettre d'avoir 4 joueurs à vocation défensive sur un ruck quand on sort les ballons en moins d'une demi-seconde et que ça part de tous les côtés. Surtout on explose. Surtout quand tu as du Thomas de l'autre côté, du Zebo qui ont des appuis terribles. Et alors, eux, il ne leur faut pas 50 ballons, je veux dire, pour te faire mal. Ils te mettent des contres. Ils vont vite, ils ont l'expérience, ils ont la vitesse, ils ont l'habitude de jouer ensemble parce que maintenant, ça fait 2-3 ans qu'ils jouent ensemble déjà. Après, on se retrouve encore une fois avec de l'indiscipline qui nous coûte très très cher. Beaucoup de fautes au sol, beaucoup de ballons perdus sur des BH. Justement, certains disent qu'il y a un problème avec Rado. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on va être honnête, c'est sur ce match-là, ça a été compliqué. Autant sur les premiers ballons, on sent que dans la vitesse, tout le monde est dans le bon tempo, c'est-à-dire nos trois carrés arrivent lancés, on ne joue pas à plat, on essaie de donner du volume, on les balade, c'est pas trop mal. La synchronisation est meilleure. Par contre, dès qu'on voit que sur nos premiers ballons ou nos ballons sortis, on n'est plus du tout dans le même tempo, on commence à perdre les repères parce que là, ce ballon-là qu'il a en main, il prend peut-être le joueur qui est devant, mais il aurait dû le lâcher plus tôt. Le lâcher plus tôt ou aller au sol. Ou alors tu vas au sol. Et tu permets à tes équipiers de garder le ballon. Ouais, parce que tu fais une passe un peu... il voit pas, j'ai pas l'impression qu'il c'est voit. C'est surtout qu'en plus, je sais pas si c'est pas un joueur de chez nous avec qui il se télescope en fait. Et je le vois partir en arrière, il essaie quand même de donner la balle. C'est vrai que là, si on n'est pas sûr de pouvoir assurer, surtout que leur ligne défensive est au même niveau que la tienne. Après, l'année dernière, pendant quelques années, ce genre de ballon, c'est les ballons de relance qui auraient été beaucoup plus organisés. Le jeu qui était mis en place par Christophe Rios, en fait, c'était un jeu qui partait. Suite à ça, on aurait sûrement vu une cellule à 3, vous voyez. Là, je pense qu'en termes de consignes, on demande aux joueurs, et je pense qu'on verra les résultats dans quelques matchs, d'être plus. C'est un jeu plus aéré, plus direct, et sans passer forcément par des phases de jeu au sol. Et c'est vrai que là, quand il joue le ballon, il est sous pression, on le voit, il est sous pression, la lecture est parfaite du joueur du Racing, et l'interception derrière. Mais... Voilà. Je pense qu'encore, ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément trop habitués. Ça fait que 2 mois qu'ils ont repris l'entraînement sous des formes de jeu qui ont quand même un peu évolué, où Mauricio les laisse un peu plus libres de leurs actes, et avec un jeu qui est un peu plus un jeu debout. Et là, sur ce coup-là, effectivement, bon, il y a une interception qui fait 7 points. Là encore, sur une action construite, tu es dans leur camp, tu récupères une balle difficile, tu te mets en place. Il faut peut-être par moment aussi, même si c'est à l'initiative des joueurs, un peu plus temporiser et faire jouer nos gros sur ces périodes-là. Parce que quand on a vu que Jelon ramassait les ballons, Babillot ramassait les ballons, ou même le Baptiste. Ça avançait. Un peu trop de précipitation peut-être. Oui, on a confondu vitesse et précipitation, de l'agressivité aussi. Peut-être un peu trop de précipitation par rapport à l'agressivité, je pense, qui avait été demandé par les coachs, le fait que je pense qu'ils voulaient leur mettre vraiment la pression tout le match, leur rendre peut-être les ballons pour laisser jouer un peu comme ce qui s'est passé avec Bayonne et faire une grosse ligne défensive. Et puis voilà, il y a eu ces 15 minutes de la première mi-temps, quoi, de la 5e à la 20e ou la 25e qui nous coûte cher, après on lâche le match et on arrive à revenir. Après, sur l'interception de Rado, c'est vrai que c'est une phase de jeu, on joue dans la défense, on essaie de se faire des passes dans la défense et bon, on sait que c'est compliqué et la vigilance du disque, après c'est. Ouais, parce que là aussi, ce qui est bien, et c'est qu'à côté de lui, il a quand même un 10 très très joueur. Ouais. Qui prend assez facilement les lignes, qui va au contact. Fortunel fait encore une partie intéressante. On en a parlé la semaine dernière déjà, mais c'est vraiment un joueur à bien suivre. Et je pense qu'on ne s'est pas assez appuyé sur lui, parce que moi je l'ai vu sur 2-3 ballons hauts. Il s'est trouvé avec Vialel, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la montée de cette ligne défensive vers la 15e minute, où il tape par-dessus justement. Dès qu'il voit
il a un petit peu de vision et qu'il est un peu plus reculé au jeu, il voit quand même des choses assez intéressantes qui peuvent aussi nous faire avancer. Une solution de jeu, ouais, c'est vrai. Et il va peut-être falloir aussi jouer de l'alternance. Je pense que c'est un garçon qui, effectivement, c'est un peu la surprise de la journée, parce que je trouvais qu'il était culotté, qu'il était pour avoir joué en tant que 14. Il a quand même mené l'attaque, la défense relativement bien. Et pourtant, on n'a pas joué forcément à l'avançant. Donc ça laisse espérer qu'on aura des matchs, notamment peut-être celui de samedi, où on jouera forcément plus à l'avançant. Je pense que c'est un garçon qui va être intéressant dans les prises d'initiative et d'intervalle, de faire jouer à côté de lui des garçons comme Combezou qui pour ouvrir les portes. Et ça va être intéressant de le voir évoluer samedi prochain. On n'oublie pas. Hein? Pardon. Alors, j'ai Damien Nadej qui nous dit qu'il nous manque du physique et de l'agressivité. Alors, je pense qu'en fait, physique, c'est pas vraiment du physique, parce que le physique, on y sera. Il faut prendre en considération aussi la rencontre perdue par le Racing sur cette première journée chez eux. Avec quand même, il faut prendre en compte l'effet que chez eux aussi, il y a eu du chamboulement, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs. Je pense qu'il fallait qu'eux aussi puissent se rattraper de ce match-là. Donc, il y a eu un discours, et Mathieu Babillot l'a très bien résumé en réaction à la mi-temps, en disant « On s'est menti à nous-mêmes, on voulait leur mettre la pression, mais on a peut-être oublié ce qu'eux avaient vécu la semaine d'avant. Ils n'allaient pas retomber dans les mêmes erreurs, c'est sûr qu'ils allaient faire attention, et qu'ils nous ont pris à nous un moment sur nos points forts, et qu'ils n'ont pas fait en sorte de nous regarder jouer. Ouais, » on regardait aussi le visage sur canal de Laurent Travers, hein. Et on le voyait pas serein quand même sur le match. Hein. On le sentait, pourtant il menait largement au sort, et on le sentait que... Il n'était pas serein sur toutes les actions. Hein. On sentait qu'ils avaient du mal aussi. Mais après, je pense que nous aussi, on a trop joué par moment. C'est ce que tu disais, Frédéric. Et on n'a pas assez pris du recul. Parce qu'eux, ils arrivaient lancés chaque fois. Tu les voyais. Et nous, à chaque fois, on arrivait, on a l'impression qu'on marchait. Quoi. Et donc, tu ne peux pas accélérer le jeu. Si tu veux mettre un jeu comme ça accéléré, si tu accélères pas le jeu, ce n'est pas possible. Si le joueur n'arrive pas à lancer, tu ne peux pas ouvrir comme ça. Le seul qu'il a fait dans ce sens-là, c'est Dumora. C'est une équipe qui est quand même dense. Hein. Physiquement, ils ont été partie des équipes les plus denses depuis 2014. Et on a quelquefois reculé sur les impacts. Ils sont organisés sur. Par contre, ils se consomment pas forcément beaucoup. Ils laissent des joueurs disponibles pour jouer donc, sur une autre cellule derrière. Donc tu as l'impression toujours que tu as un déficit défensif. Et pourtant, sur l'ensemble du match, tu finis à 23-14, hein, ça peut basculer. Parce que si on regarde, je serais curieux de savoir, mais bon, j'ai pas les stats, mais le nombre de fautes qu'on a commises. Ouais. Alors que ça fait partie, je sais que Mauricio, ça fait partie des choses sur lesquelles il a discipline, c'est quelque chose. Et là, aujourd'hui, ils se sont trouvés sur la discipline. De la mauvaise agressivité, peut-être aussi. Deuxième question d'Emmanuel Monnier. Fredo, toi qui es un inconditionnel de la jeunesse, de la formation, 14 gifs sur 15, au coup d'envoi, tu en penses quoi? Je dis bravo au Mauricio, enfin, on a pu avoir, parce que c'est quand même culotté de sa part de faire ce qu'il a fait. Je pense au petit déco là, qui est son premier match, sur en plus il le fait rentrer sur une mêlée qui n'est pas du tout conquérante. Non, tu recules. Et voilà, Dorian Clair, la semaine dernière, c'était pour le Sosari avec le Benítez, c'est ça. Oui, voilà, donc je trouve que c'est bien. Ce que je peux dire, c'est qu'on a eu une réunion il y a une quinzaine de jours avec lui, il nous a présenté son projet de formation, pas son projet de jeu. Ça aussi, c'est assez nouveau. On parle de formation, on ne parle plus forcément de projet de jeu. Il nous a dit la chose suivante, former les joueurs, et moi je les ferai jouer. Et c'est vrai que là, il donne un exemple, avec ces joueurs-là, et même nous, au niveau des équipes de jeunes, c'est des exemples qu'on peut montrer en disant, regardez, on a un manager aujourd'hui qui met en application ce qu'il nous demande de faire. Voilà. Donc Emmanuel, bah, écoute, tu sais que tu me connais un petit peu, voilà, ça me fait plaisir de voir des joueurs, des jeunes joueurs, et je pense qu'il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Pour ajouter par rapport à ça, déjà Mauricio, qui était manager d'Agen, il a laissé le petit Verdu à demi-levé, il a laissé Rubio, il a laissé Jagelnecker, la troisième ligne. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire avec des petits moyens. Donc qui dit petits moyens parle de la pérennisation du club. La pérennité d'un club, ça passe où? Ça passe souvent par la formation. Et Mauricio est très attaché, je pense, à la formation. Et encore un signe qu'il a donné en début de saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est par rapport au recrutement. Oui. Il n'est pas allé chercher de grosses pointures, il n'est pas allé chercher les joueurs en excès, parce qu'il avait des joueurs déjà jeunes et talentueux et qui pensaient capables d'intégrer l'équipe première à certains postes. Mmh. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se plaignent du recrutement, qui disent « on n'a pas beaucoup recruté ».
On n'a pas assez recruté, mais si, on a recruté en fonction des besoins qu'on avait. Et surtout, c'est un bon message qui est passé aux jeunes, parce que justement, ben, c'est pour eux l'opportunité d'accéder à l'équipe Fagnon plus facilement. Et encore un autre message qu'il a passé, c'est en nommant capitaine deux jeunes issus de la formation Castres, qui sont Mathieu Babillot et Baptiste Delaporte. D'ailleurs, voilà. C'est là où on revient aussi sur les gifs. Il y a peut-être des moments, il ne faut peut-être pas attendre qu'au niveau de la fédération, on donne des consignes comme ça pour pouvoir développer. Aujourd'hui, on a de grosses, grosses pointures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le championnat le plus relevé devient le top 14 parce que bah, les moyens financiers qui sont mis pour recruter les joueurs attirent les Néo-Zélandais, les Australiens, beaucoup de monde. Aujourd'hui, on se rend compte quand même aussi, on a certains postes où on est en pénurie. On se retrouve totalement emmerdé et on se pardon, excusez-moi pour le terme, mais il faut le dire. À un moment, tu vas reprendre des mecs et qui, depuis 5 ans, sont en France, sont naturalisés. C'est très bien, je le dis pas. Et il faut aussi pouvoir implanter beaucoup de monde. C'est pas le problème, mais après, y a on paye GIF, aussi. Voilà, c'est ça. On joueur est d'accord. GIF ou joueur pas GIF. Il y a les masqués, pas masqués, le voilà. Hein, les vrais GIF. Il faut probablement échanger là. Sur le forum, il y en a qui reviennent sur la blessure de Baptiste de la Porte aussi. On va attendre le diagnostic des médecins, le communiqué du club. On espère que c'est rien, mais c'est un joueur qui est très dur au mal. Et vu comme il s'est tordu de douleur sur la pelouse après la blessure. Moi, la question que je me pose, ça arrive, les blessures arrivent souvent et les blessures, des fois, parfois importantes, quand on joue sur le terrain synthétique. Ouais. On n'a pas trop l'habitude de jouer sur le terrain synthétique parce qu'on n'a pas ce genre d'infrastructure au club pour pouvoir s'entraîner dessus. Bah, c'est-à-dire qu'à 4 ans, on pas dans une salle de concert. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que le comportement des crampons, le comportement des appuis sur le pelouse synthétique est différent de et alors donc, de du sur coup, le gazon. Puisqu'on peut, on peut peut-être aussi anticiper ça avec la bord de basse, c'est des endroits qui sur casse où on a peut-être des terrains se rapprochant. Est-ce qu'on pourrait pas justement... Mais le dernier entraînement Albi a été fait sur gazon synthétique. Voilà. Mais c'est ce que tu viens de dire. Le repère, il se trouve pas comme ça, mais tu le vois bien. Pour les appuis, pour les organismes. Les rebonds du ballon, la façon de courir, tout ça, oui. Le vent, on n'est pas emmerdé, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Pour Baptiste, en tout cas, nous, de tout cœur, on te souhaite que ce soit pas trop grave. On sait que tu es un guerrier, on sait que tu es dur au mal, donc te voir te tordre de douleur comme ça, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Ça fait mal au cœur. Surtout, on va dire que Baptiste ne fait pas partie des chouchottes. Voilà. Et puis on peut dire quand même qu'on avait une troisième ligne, même si Gelonge a été pris au pays gersois de Hoche, puisqu'il est arrivé avec Antoine Dupont. Très très belle formation à Hoche aussi. Voilà. Et je veux dire quand même, il n'a pas fait que des choses mal. Donc on se retrouvait avec trois joueurs en troisième ligne qui étaient issus de la formation Castres. Tout à fait. Et là. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Mauricio, par rapport à ce qu'il a fait à Agen, quand on regarde les jeunes aujourd'hui à Agen, ce qui s'est passé cette année, quand il est arrivé, il a pu, le fait de faire jouer beaucoup de jeunes comme il a fait à Agen, il y a des garçons comme Merito aujourd'hui qui sont partis à Toulon. Fouissac à Toulouse. Denis Marchois qui est parti à section paloise. Mickaël qui est parti à Toulouse. Quentin Béthune qui est parti au Stade français. Tanga. Tanga, on va un peu le regretter puisque quand même il est formé par Castres au départ. Oui, mais à un moment il n'y avait pas trop le choix. Il fallait en garder un entre lui et de la porte. Donc c'est compliqué les deux, troisième. Je veux dire que ça doit nous laisser penser que ce qui va se passer cette année, mais je pense plutôt dans les années à venir, est de bon augure pour le CO. Après, c'est sûr, on passe à côté de certains joueurs, mais. Comme le disait Laurent, on ne peut pas garder tout le monde. Au bout d'un moment, en troisième ligne, si on reprend, on oublie, il y a deux ans, il y avait les Mafis, il y avait Toulouse. Mais voilà, tu prends Babillot, tu prends Delaporte, tu prends Gelonge, Vaipoulou, tu te retrouves dans des situations et des choix à un moment. Oui, non, et puis après, il peut y avoir aussi des erreurs semi-professionnelles. Quand Christophe Lyon était là, donc on faisait une réunion tous les mois, et souvent dans son discours, il disait, il faut savoir qu'à Castres aujourd'hui, on aura du mal au niveau des moyens à aller recruter des joueurs, même au niveau des GIF, aujourd'hui, la GIF. Un bon GIF est très cher, sur le marché de transfert est très cher. Donc la solution qu'on a, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est former des jeunes, les mettre assez tôt dans le cursus pro, comme c'est passé avec Claire, comme c'est passé avec Sozaré. Et on s'aperçoit que finalement, contre Montpellier, quand les deux premières lignes rentrent, Wayan, il a été super. Oui, c'est plus hein. Que très correct. Ouais, mais en fait, tu ne vois pas la différence. Bon, eh ben, on 23-14, quoi, mais avec 4-5 jeunes qui rentrent. Et on laisse 5 points encore au pied. Donc, voilà. Certains, c'était le premier match en top 14. Alors, j'ai Damien qui nous dit, mais il faudrait imposer 7 à 8 joueurs étrangers par club et la formation sera gagnante.
Ah, je suis d'accord avec elle. Parce que les histoires de GIF, c'est ce que je disais. Au moins, GIF, on dit joueurs ici de la formation française. Mais si on fait, si on fait venir des Fidjiens, des Georgiens. À 15 ans. À 15 ans, ils seront GIF. Comme Taylor Paris, qui est chez nous. Ouais. Que j'ai rien contre Taylor, qui a été formé par AGM, mais très tôt, comme les Canadiens. Il est considéré joueur GIF. Et on a une absurdité. C'est notre arrière, notre ancien arrière, Scott Pidding, qui a joué avec l'équipe de France et qui, lui, n'est pas GIF. Mais voilà, donc on a des absurdités comme ça. Je crois parce qu'il a, en plus, c'était à une année près. Ouais, mais voilà, c'est pas comme s'il avait pas. C'est bien le statut. Cette année, c'est 16 joueurs GIF. Ouais, c'est ça, il y a un jour de plus. Mais il faut redéfinir le statut du GIF. Ouais, c'est ça. Un GIF, exactement. Est-ce que c'est un jeune qui, qui a été uniquement, qui a une licence à la Fédération Française de Rugby et qu'à la Fédération Française de Rugby, à ce moment-là, on aura forcément que des jeunes qui ont été formés en France, ou est-ce qu'effectivement, on laisse la porte ouverte à des académies, aux Fidji, comme Raka et toute la Côte à Clermont, mais voilà. Albi le faisait à une époque, hein. Et maintenant, on va avoir les Sud-Africains qui arrivent. Voilà, c'est ce qu'on fait Montpellier, exactement. Voilà. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis GIF, oui et non. Moi, après, quand on voit le système anglais où ils imposent justement des jeunes sur les feuilles de match, mais on voit que l'équipe ils protègent leur championnat. Ouais, ouais, ils protègent leur championnat, mais ils protègent leur équipe nationale. Bien sûr. Voilà. Une équipe comme l'Angleterre, comme Exeter, lors de son match contre Montpellier, j'avais calculé sur le 15 de départ, ils avaient 12 joueurs anglais, voilà. Donc sur les 12 joueurs anglais, il y en avait 8 qui étaient issus de leur académie. Exactement. Ils travaillent un peu différemment que les autres 3 académies de formation. C'est ça. Et donc aujourd'hui aussi, mais pourquoi aujourd'hui ils sont plus performants que nous? Ben parce que ils intègrent les jeunes tout le temps. Ils intègrent rapidement les jeunes, ils forment, bon, leur système de formation est différent, ils travaillent beaucoup sur la vitesse, sur les habiletés techniques, et on s'aperçoit que ben, voilà, le rugby britannique aujourd'hui est à l'avance sur nous. Il est en train d'exploser. Et bien à l'avance. Ouais. Si on regarde. En parlant de jeunes, on nous dit, que pensez-vous du retour de Rodrigo après 9 mois d'absence? Moi, je pense pas que c'était un peu compliqué, mais c'est pas une mauvaise chose. En soi, Rodrigo, c'est un meneur d'homme, ça, on va pas se voiler la face. C'est ce qui nous a manqué un peu la saison dernière. Un leader de vestiaire. Et c'est quelqu'un à qui on peut. Il faut savoir se dire quelque chose quand il rentre quelque part, l'intégrité qu'il puisse avoir, parce que lui, c'est pas un mec qui va dire quelque chose et ne. Voilà, exactement. Il va s'y tenir. Et on a besoin de joueurs cadres. On peut toujours, encore une fois, en reparler, c'est dire, est-ce qu'il a l'âge pour continuer? Oui, je pense qu'il l'a, sinon les médecins n'auraient pas pris le risque de pouvoir lui proposer un autre contrat. Même, ça, c'est même, leur, lui, c'est même lui dans l'envie. C'est pas un tricheur s'il a refait signer, c'est incapable. De l'autre côté, tu as Ryan, l'Irlandais, qui a 35 ans, hein, voilà. Je veux dire aussi. Hein. Et si Mauricio l'a refait signer, c'est qu'il pense qu'il est capable de jouer. Voilà. Et Rodrigo, s'il a re-signé, je pense qu'il a tout à été fidèle et loyal envers la Castres Olympique. Donc s'il se réengage pour une saison, c'est forcément qu'il est incapable. Après, je pense que Mauricio. Et qu'on va attendre un peu de le voir en gériatrie à l'hôpital de Castres. Je crois qu'il a encore quelques années à faire. Le fan de la main, c'est difficile, quoi. Surtout que, bah, après, il a des stats sur le terrain quand même. L'année dernière, là, c'est un retour. Mais il a des stats sur le terrain depuis qu'il est à Castres et même sur le titre de champion de France, quand même, qui sont pas loin d'être irréprochables. Je veux dire, il a fait ses matchs, il a tout le temps mené l'équipe. Et c'est pas comme ça. Il y a un commentateur qui nous dit que Capo doit s'arrêter, ça sert à rien de faire une saison de trop. Alors, c'est peut-être la question qu'on se. Mais on aura la réponse qu'en fin de saison. Là, le problème qu'il y a, il reprend. Pour moi, on n'a pas le choix. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de le faire jouer parce que d'abord, on n'a pas pléthore au poste. C'est ça, puisqu'on n'a plus ma fille qui est pas là. Deux postes, aujourd'hui, il n'est plus là. Et puis, en dehors de ça, c'est que vu la politique de Mauricio, d'intégrer des jeunes comme Dorian Clerc ou tout ce qu'on a, tous les jeunes qu'on a cités. Il faut transmettre des valeurs. Il faut les encadrer. Un garçon comme Capo, c'est rassurant. L'intégrité qu'il a, l'exemple qu'il a donné sur sa carrière, je trouve que c'est accompagner les jeunes avec un garçon comme ça à côté, c'est. Il faut le garder. Après, je pense qu'aujourd'hui, Mauricio a voulu le mettre aujourd'hui parce que c'était peut-être plus facile pour une reprise de jouer à l'extérieur, de prendre du temps de jeu, de prendre des repères, que de le mettre directement sur Bordeaux, où ça va être un peu compliqué, je pense, et de ne pas le mettre à... Il fallait un major. Ça a été celui-là. C'est tout. Il a été ce qu'il a été. Il faut qu'il retrouve le rythme, il faut qu'il retrouve la compétition. Il faut lui laisser du temps, comme il faut laisser du temps à Mauricio pour reconstruire l'équipe. Comme Martel Lavaux qui est rentré en seconde mi-temps. Comme Martel Lavaux qui est rentré en seconde mi-temps aussi. On ne l'a pas trop vu non plus, mais c'est normal, c'est des matchs de reprise. Ils ont eu de longues blessures, donc il faut leur laisser du temps. Mauricio, on connaît très très bien. On a quasiment personne en seconde ligne. Donc là, Mauricio n'avait pas le choix, quoi. Il était quasiment obligé, même si peut-être Mauricio aurait aimé le faire reprendre un peu plus tard. Ouais. Mais là, les circonstances, les blessures. On sait qu'on a un match très important la semaine prochaine. Donc je pense qu'il voulait mettre un peu Sanson peut-être au repos aussi.
parce que le match contre Montpellier avait été un peu dur physiquement, et donc il fallait peut-être le laisser un peu au repos pour le mettre la semaine prochaine justement contre Bordeaux, parce qu'on sait que ça va être du gros combat. Même sur la charnière, je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits sur ce match-là. Je pense qu'il y a eu la gestion aussi du match de Bordeaux samedi prochain. Tout à fait. Et puis la volonté aussi de Mauricio de faire tourner. Tourner aussi, de donner du temps de jeu à tout le monde. Tout en sachant qu'en le connaissant bien, Mauricio et Rodrigo sont deux personnes qui s'apprécient fusionnelles. Il sait très bien que le côté émotionnel de Rodrigo à reprendre un premier match à Pierre Fabre, oui, face à l'UBB, face à Urios, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, et ça, malheureusement, on ne le maîtrise pas en simple supporter. Là, Rodrigo, il va laisser la vie sur le terrain. C'est ça. Donc nous, en fait, on a cette partie-là où on le pense sur le moment par rapport à un score, mais c'est pas la partie de Rodrigo qui nous fait perdre le match. Non, c'est pas parce qu'on aurait eu un autre joueur que ça aurait été mieux. C'est pas comme ça, on gagne à 15, on perd à 15. Là, c'est vraiment, je pense que c'est un travail collectif à se remettre un petit peu, c'est que voilà, on a pris. C'est ce qu'on a dit, le tandem avec Hans, bon, ça a été un peu compliqué. Paul a été un peu compliqué aussi sur les lancers au début de. Bon, après, ça a été un peu mieux. Bon, Paris a pas mal sauté quand même en premier sauteur. Ouais, ils ont pas mal de blocs. Voilà, y a ce que pas toutes mal les équipes ne font pas. Ils ont cherché à bloquer quasiment sur toutes les touches. Ah bah, ils ont, je pense qu'ils ont bien analysé la vidéo. Ils ont bien analysé la vidéo la semaine de jeu. Ils nous prennent aussi sur nos points faibles. Et la touche, malheureusement. C'est un point faible. On l'a vu sur la première rencontre, on le voit. Après, les Parisiens aussi sautent beaucoup, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de mêlée aussi, ça. On a été pris sur la conquête, touche, mêlée, on a été amené, on a été plus que chahuté, on a vraiment passé la vie. On a reculé, ouais. Compliqué. Derrière, sur le troisième point, on fait beaucoup de fautes. Hein. Et donc, il y a des changements qui sont nombreux avec les jeunes. Et voilà, au final, ça fait 23-14. Ouais. Mais à la mi-temps, si on marque sur juste l'occasion qu'on a avant la mi-temps. Avant la mi-temps, on va chercher la paix. On va prendre la touche, là. La touche, et on se fait. Il n'y a pas la mêlée derrière. Il y a une mêlée, et on dit que c'est la mêlée, quoi. Il récupère le ballon, il faut en avant. Nous, derrière, on a l'introduction et on se fait reculer. La mêlée tourne, elle se désaxe, il récupère le ballon, se fait pénaliser. Ouais, c'est ça, c'est fini. Après, sans vouloir m'avancer trop, mais quand même, je pense que M. Castagnette n'est pas un arbitre réputé pour favoriser les équipes qui jouent à l'extérieur. J'ai rarement vu de victoire avec Castagnette à l'extérieur. Non, mais ce sera dans mon coup de gueule, justement, sur les 20 dernières minutes. Je ne veux pas balancer, parce que disons, que ce soit un premier ou un top 14, gagner avec Castagnette au sifflet, qu'on a à l'extérieur, c'est compliqué. Voilà. Samson, par exemple. J'ai des commentaires où Samson a bien joué. Fortunel aussi. Bah, Fortunel, il a son niveau, là, t'as à ce niveau-là. Déjà, Montauban, il menait bien l'équipe, il menait le jeu avec Bosvielle, souvent ils intercalaient soit en 15 ou l'autre en 10. Donc, c'est pas le nouveau, il avait un pourcentage de réussite au pied aussi qui était pas mal, parce que ça arrivait de buter, je crois qu'il est autour des 80%. Voilà, le bon truc qu'il y a, c'est que c'est un joueur qui a un gros potentiel, et Mauricio a très bien su le gérer, parce que justement, il a pas mis titulaire. Il n'a pas voulu le mettre titulaire à Pierre Fabre. Pour le protéger, c'est le premier match, mais quand il a fait une entrée à Pierre Fabre, moi il m'a plu ce jeune, parce qu'il a 24 ans. Ouais, il a fait une petite Il a été bon dans l'alternance, il a pas laissé le ballon au pied, il a soulagé la défense. Pour moi, il a fait une copie sans faute. Et en plus de ça, il défend. Ouais, non, mais il aurait pu sortir de son match, puisqu'il perd très peu de ballons. Il protège après l'arbitre, il prend 10 mètres, et on peut se dire, ça va le dérailler peut-être dans le match. Et en fait, il refait une. Il prend le ballon, mais c'est. Il va attaquer la ligne, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Il a pas peur. Voilà, donc on a cette année deux ouvreurs, Anthony Rapieta qui va jouer la Coupe du Monde et Fortunel. Je trouve que c'est bien parce que c'était pas forcément arrivé. Bon, il y avait Dumora qui remplaçait. Il y a la concurrence. Mais Dumora retrouve un poste aussi, et enfin, quelque chose qui lui correspond vraiment. Ouais, Palis a joué dans l'aile. Mais on avait déjà vu sur les préparations des matchs amicaux. Palis, déjà, il était déjà à l'aile. Donc je pense que dans son optique de jeu, il pouvait prendre aussi en compte le fait que Fortunel puisse s'imposer en tant que 10 titulaire devant Dumora et que Dumora puisse lui glisser un peu. Ce qui est surprenant sur Fortunel, quand même, c'est qu'il s'est très vite intégré dans les schémas de jeu avec une 3 quarts. Il y a déjà une bonne complicité avec les centres, avec sa ligne de 3 quarts. Avec le 9 aussi, et en plus de ça, Fortunel, moi ce que j'aime bien, quoi, c'est qu'il met du dynamisme dans le jeu, il met de la vitesse, il porte pas spécialement le ballon, mais il fait bien jouer derrière. Alors, mais même quand il le porte, il le perd pas, parce qu'il y a beaucoup de fois où il y a des actions défensives où ils sont deux sur lui, il arrive quand même à se gratter, se tourner, le sortir, tu sais pas quand, c'est ça. Alors que souvent, c'est souvent le 10 se fait coffrer, si t'as un bon gratteur face à toi, ben... Et encore une fois, on est sur un match où on recule. Son cas où, là. On est sur un match là, aujourd'hui, où on recule. Ouais.
Et encore une fois, il s'en sort pas trop mal sur un match où on est dominé devant et où on est sur une phase où, souvent on recule. Et quand on recule, on le sait que c'est pas évident à jouer pour la charnière. Après, pour lui, comme elle disait tout à l'heure Fredo très justement, il est audacieux et on se dit pas, ce mec-là, il vient de Pro D2. Non, c'est vrai. Même, même si les niveaux se tiennent, je veux dire, entre top 14 pour des deux, maintenant, on retrouve quand même. Il y a un fossé. Quand même, mais pour certains joueurs, on le voit vite quand même, certains qui ont pu percer. Quand on voit Martin Lavaux s'exprimer sur un terrain de top 14, comme on l'a vu l'année dernière. Martin Lavaux, c'est pas une surprise, Martin Lavaux. Non, ah non, c'est une confirmation. Tout le monde qui suivait la Pro D2, c'est une confirmation. Tu prends Amdaoui qui joue au Stade Français. Exactement. Si tu suivais la Pro D2, c'est une confirmation. À l'époque, quand on a pris Brice Dulin, moi j'attendais les supporters. Putain, Brice Dulin, on prend un joueur de Pro D2, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ce mec à l'arrière, c'est déjà une pépite, Voilà, il y en a 4-5 par d'ailleurs, d'ailleurs, ils nous avaient fait très mal avec Agen quand on les avait rencontrés chez eux. Donc, non, non, mais Fortunel, c'est intéressant. Après, dans la ligne défensive, et moi, ceux qui m'ont plu, Babillot, de la porte et... Et je longe là, la troisième ligne extraordinaire. Ça a travaillé dur. Ça n'a pas rechigné, ça a mis les mains là où je ne mettrais même pas les pieds moi. Donc comme ça, ouais, mais vraiment, c'était beau à voir. C'était, puis, on sentait quand même qu'à un moment où ça allait moins bien, eux aussi, ils ne sont pas si vieux que ça. Hein. C'est eux qui se sont mis les mains. Mais il y a de l'expérience, bien sûr. C'est des jeunes vieux par leur expérience. Mais oui, et encore Mathieu, avec tous les matchs qu'il a accumulé à l'équipe de France, c'est ça. C'est l'expérience d'Europe. Non, parce qu'il a toujours, il n'a jamais quitté ce cursus équipe de France, même jusqu'en arrivée pour l'équipe A, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Il a suivi les Barbarians. Puis après, bon. C'est la complicité aussi que tu puisses avoir avec des mecs que tu fais jouer enfin depuis 2-3 ans, les garder ensemble. Tu vois, le meilleur choix de carrière qui ait pu faire Jolon, c'est de rester chez nous. Ouais. Et d'ailleurs, même si tu veux encore rester un peu, on te garde. Oui, tu peux rester, On te garde. Jusqu'en 2032. Non, je veux pas Toto, c'est bon. Si vraiment c'est ton ami, c'est à toi. Par contre, si Toto veut revenir, on est preneur. On est d'accord. Attends, il y a quelqu'un qui nous demande où est passé Alex Toulou. Alex Toulouse, c'est un choix d'entraîneur. Il est arrivé en retard par rapport à l'entraînement. Il est arrivé plus en retard, il n'est peut-être pas au niveau physique, au niveau technique. Il se prépare, Il est juste pas prêt pour jouer actuellement. Quoi. Et après, il y en a d'autres qui sont devant lui, il faut lui laisser le temps de revenir, qu'il fasse son retour, qu'il reprenne justement le rythme des matchs, le rythme d'entraînement, et voilà, choix du coach. Après, sur le choix du coach, là encore, le mec qui arrive un peu en retard, qui se greffe à une préparation, c'est jamais simple. Non. Il faut qu'il soit prêt. Si c'est pour faire rentrer un mec et qu'il se pète au bout de deux matchs et qu'on en est pour six mois, on est perdant. Il vaut mieux prendre le temps de faire les choses et de bien les faire. Mmh. On a un staff médical qui travaille plutôt bien à Castres, hein, quand même. Même si on a eu des années où on a eu un peu peur avec quelques blessures qui arrivaient, qui s'enchaînaient. Mmh. Bon, pourtant, l'hygiène de vie irréprochable. Donc, il fallait le dire quand même que l'équipe médicale fait un sacré boulot aussi à Castres. Ouais. Ah oui, mais là, il y a plein de nouvelles disciplines qui sont entrées aussi pour la préparation des joueurs. La réathlétisation, on ne peut parler pas trop. Oui. Enfin, maintenant, on est au point. Quoi. Depuis quelques années, on est au point. Il y a Castres, un virage de particulièrement performante et bien équipée. Ils travaillent beaucoup sur le... Enfin, moi, je les ai vus bosser au Lévesou, là. On a eu cette chance de pouvoir accéder un petit peu à la préparation l'année dernière, plutôt. Cette année, j'ai été un petit peu moins. En fait, ils travaillent les GPS. Hein. Mm-hmm. Et ils ont un historique, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un historique sur les 3 dernières années où ils arrivent à voir, en fonction des blessures, d'anticiper, peut anticiper en fonction des efforts, etc. C'est assez c'est impressionnant. Donc, ils arrivent à gérer en fait le côté physique. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec quand même beaucoup moins de blessés. Et analyser par rapport au championnat aussi, par rapport aux journées, tout ça. Parce que Christophe nous l'avait présenté lors d'une réunion des supporters. C'est vraiment très intéressant. Parce que nous, aujourd'hui, on était quand même, sur ce point-là, moins pénalisés que le Racing. Mmh. Il leur manquait 10 joueurs. Quasiment 7 titulaires entre les blessures. Surtout numéro 10, un poste de 10, ils ont pu réparer. Et pourtant, ils ont fait signer Trinduc, non? Non, bon, allez, on arrête. Trinduc, déjà. Donne du cours, c'est pour ça qu'ils font. Ils vont arriver à l'Argentelle, là. L'Argentelle qui arrive. Bébé. Si on reçoit une photo en direct, on voit que le niveau a changé. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Si, je vais zoomer dessus. Je t'agrandis, voilà la pommette, là. Il est assez tuméfié, sur la pommette. À ceux qui se posent la question, vous inquiétez pas, il va bien. Voilà, il va bien, il a été recousu, il a une bonne... Oh, il est bien déchiré, il a bien 7-8 points, le pauvre, mais voilà, c'est justement le guerrier qui ressort. Voilà. Le sacrifice, voilà, il va garder une trace encore pour le Castres Olympique. Rodrigo, si tu nous entends. Alors, pour finir, et après on change de rubrique, y a-t-il enfin une équipe type au Castres Olympique? Non. Pas pour le moment, moi, je pense sincèrement qu'on verra fin septembre, début octobre, vraiment ce qui se mettra en place. Il faut laisser faire pour le moment comme il le fait très bien. Et puis d'ailleurs, on voit même que sur les périodes creuses où certains joueurs vont moins bien, ils n'hésitent pas à faire des changements. Ouais.
25e, 30e minute, si le pilier, ça lui convient pas. Ouais, ouais, on a vu Wilfried sortir, hop, fallait être rentré, hop. Il a... Ça, c'est l'avantage, maintenant, avec la règle des piliers. La règle des piliers, en plus, qui peuvent sortir, rentrer. Alors que Wilfried, il comprenait pas pourquoi il sortait, mais Mauricio, là, il avait, voilà. Mauricio, il avait compris, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'essentiel, c'est ça. Après, non, mais je veux dire. Ouais. Ou Yangui. Ou Yangui est sorti au 30 minutes. Ouais, 30 super minutes. Ouais, ouais, il a dégommé les gens. Après, je pense pas qu'il y ait une équipe type. Enfin. Il y a un groupe professionnel, on le voit aujourd'hui, et on aura d'autres surprises, à mon avis, parce que... Mauricio a bien les surprises, Il y aura d'autres joueurs. Dans le compo d'Agen, il y avait souvent les surprises. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une équipe type avec... Non, puis tu n'as pas ton effectif qui est au complet, tu as des joueurs qui rentrent de blessure... Moi, j'aurais voulu en profiter, justement, de Radio Olympique TV aujourd'hui, pour donner un point de vue, parce que j'entends beaucoup parler, encore une fois, du recrutement, de l'équipe, du manque d'effectifs, tout ça... Ce que je veux dire juste, c'est qu'il faut laisser le temps à Mauricio de construire une équipe. Qu'une équipe, ça ne se construit pas sur un an. Une équipe, un manager, ça se juge sur 3 ans, la 3e année, où on peut commencer à avoir le travail. Quand on voit Christophe Rios, il était champion de France, c'est la 3e année. Hugo Moula était champion de France, c'est la 4e année. Ce qui se passe, c'est que chaque année, en gros, avec les fins de contrat qui arrivent et les renouvellements, tout ça, ça leur permet de modifier 30% de l'effectif. Et pour mettre en place son projet de jeu, un entraîneur a besoin de faire venir des joueurs et bien sûr d'utiliser les joueurs qui sont déjà sous contrat. Avec les masses salariales, les salariés, tout ça, c'est très compliqué de recruter. Donc Mauricio va faire son trou, mais par contre, juste à Mauricio, à son équipe, aux joueurs qui restent, ben, il faut leur laisser le temps de se construire. Parce que je sens que tout le monde est un peu pressé, tout le monde veut mettre la chair au balai. Ah, c'est pas sûr, Mauricio. Faut savoir que les supporters qui sont nombreux pour le classement olympique ont mal digéré la fin de saison dernière. Et surtout après une année de championnat de France. Là où... Donc, évidemment, maintenant, ils veulent que ça aille vite parce que dans le sport, on sait que tout va vite. Mais d'accord, déjà... mais là où moi je mettrais un bémol, c'est que quand même, c'est pas Mauricio. Il y avait déjà des joueurs qui avaient re-signé avant que Mauricio sache qu'il allait arriver. Donc il a un effectif, il faut qu'il fasse un peu avec, certains. Ouais, oui. Après, par exemple, il y a. Mais ça, c'est obligé, ce que je dis. Il va pas renouveler 30%, 30%, 30%, 30%. Donc il y avait des joueurs qui étaient là, déjà en place. Il faut adapter son projet de jeu aux joueurs qui sont déjà en place. Et donc. Il a une philosophie de jeu qui est totalement différente de Christophe. On va avoir la chance de pouvoir participer à cette réunion-là, où nous expliquer vraiment. Puis bon. Totalement différente. Qui est complètement différente de ce qui s'est passé pendant 4 ans. On va essayer de. Il donnera plus de liberté aux joueurs. Avec un jeu qu'on l'a vu d'ailleurs contre Montpellier, on l'a beaucoup plus vu aujourd'hui encore. À chaque fois qu'on a tenu le ballon, on l'a tenu souvent debout. On allait pour ça. Avec les garçons qui arrivaient à soutien à l'axe, on a pu avancer, etc. Et c'est des joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer comme ça depuis 4 ans. Et je trouve qu'on commence à avoir quelques comportements intéressants. Donc je pense que dans 2, 3, 4 matchs, on risque de voir des choses, à mon avis, très intéressantes sur le plan de la vitesse du jeu. Oui, parce qu'on a vu un Florent Vialel qui a percé un petit peu, jusqu'à qu'il a pris sa commotion, là, que ça l'a un peu perturbé. Ouais. Mais on a Dumoura, quand il a eu des espaces, il est rentré et ça a permis de faire des brèches, des soutiens. Donc on sait que ça a pu jouer, je pense, derrière. Après, il y a un joueur qu'on attend aussi peut-être de voir un peu plus et... Peut-être que Mauricio lui laissera sa chance, on en a parlé tout à l'heure. C'est le petit Jérémy Fernandez. Ouais, exactement. J'aime beaucoup Alain Meunier, il dégage les ballons très rapidement. Moi j'ai trouvé dommage aujourd'hui qu'il n'ait pas joué. Moi je verrais bien presque un successeur, je ne veux pas y mettre la pression, Jérémy. Ouais. Non, à Dupont. Mais moi, il est plus à l'esprit de Dupont où il est rapide. Aujourd'hui, il dégage bien les ballons, il sale le jeu, il sale le rugby. Il a une bonne passe. Il a le pied, il a le jugement. C'est un garçon qui sera, à mon avis. Il fera partie des hommes de Mauricio. Et là, j'ai vu qu'il était dans le groupe, je l'ai vu dans le couloir. Oui, la semaine dernière aussi, il était 24e, la semaine dernière, ou 23e. C'est déjà bien d'avoir. Mauricio le protège. Et puis voilà, je pense qu'il le protège. Et qu'à un certain moment, puis il y a ce fameux challenge européen qui va arriver derrière. C'est ça, on en parlait justement pour intégrer, pour aider. C'est vrai que le fameux voyage en Russie. Qui c'est qui va aller? Par contre, je veux dire que Mauricio s'est proposé à tous les joueurs d'être guide touristique à Nice, parce qu'avec Agen, il a déjà fait 2 fois. Donc avec Casse, pourquoi pas, il ouvre une agence touristique. Donc pour tous les supporters, vous contactez Mauricio Reggiano pour la visite de Nice. On va créer le hashtag voyage avec Mauricio. Hashtag tu pars avec Momo. Mais pas en 4 et 9 coup là. Mais pas l'argent d'ailleurs, en français. Bon, non, c'est en 5-4. On va enchaîner, on va passer à l'homme du match. Allez, on y va. Du match. Allez, on va faire le coup de gueule. Allez, l'homme du match. Bon,
Alors, je vais pas faire nouveau. Allez. En fait, je déteste devoir parler de ça, mais en fait, ça va être partagé. Mon homme du match, vraiment, sportivement, ce que j'aimais aujourd'hui, c'est l'attitude de Julien Dumora sur le terrain. C'est un des seuls à avoir franchi comme il l'a fait, qui nous a remis la tête à l'envers en attaque, sur les lignes d'attaque. Et il a tête fait... à l'endroit, tu veux dire. Et qui faisait jouer à l'arbitre. À l'envers, à l'endroit. Et qui faisait jouer. C'était nous, la tête à l'envers, c'est pour ça, en fait. Non, et vraiment, il a fait de très très belles choses. Il a repris enfin ses intervalles, les ouvertures de porte. Il a vraiment dynamique. Dans le jeu très juste, parce que bon, il se fait sacler deux fois en donnant la balle. Ouais, sur la fin, on en parlera. Klaassen, il a pas vu. Ouais, Klaassen, ça met l'épaule. Hein. Non, parce que ça, c'est l'arbitre qui l'a vu. Il avait fermé le bras pour dire oui, bonjour. Oui, mais c'était Castagnier, de ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc en fait là je pense qu'il y a une grosse erreur aussi d'arbitrage. Après c'est vraiment dans l'intensité, c'est le joueur qui m'a plu au pied. Il a été beau. Même s'il en loupe un, ouais. Il a fait quand même après, ce qu'il fallait qu'il puisse faire. Je trouve que voilà, dans le jeu c'est celui qui m'a intéressé parce que je voulais pas faire. Il a cassé le rideau, il a voilà, fait changer la bandage, il a fait jouer derrière, donc voilà. Et je pouvais pas choisir les troisième lignes parce qu'ils ont travaillé ensemble et c'est ce qui a fait leur force. Après je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a beaucoup de réagissent et confirment, notamment toute ta famille qui nous regarde. Ah ouais. Et ils sont les jolis gars, il y a du soutien parce qu'il y a du monde. Attention, il y a du monde, c'est les jolis gars. Voilà. Non mais bah, c'est Dumora, bien, ça porte le nom de l'émission, c'est pour ça. Hein. Dumora du côté castré et Zebo du côté du Racing. Mmh. Je dirais. Bon, la bonne surprise, j'ai trouvé que c'était, je reviens au numéro 10, à Fortunel. Ouais. Parce qu'il a eu des attitudes face à une équipe qui nous a malmenés, où on n'a pas joué forcément à l'avancement. Je l'ai trouvé audacieux et il a cherché à attaquer la ligne, il a cherché à déstabiliser un petit peu la défense. Ce qui laisse penser que dans les semaines à venir, quand on avancera un petit peu plus, ça va être intéressant de le voir jouer au poste. Donc pour moi, je ne sais pas si c'est l'homme du match, mais c'est un garçon qui est intéressant, qui a compté dans le jeu aujourd'hui. Mmh. Et c'est une bonne surprise. Moi, au mode du match, je dirais Castagnède, hein, encore une fois, parce que je veux le battre. Ah, moi, c'est dans mon coup de gueule. Il a été extraordinaire. Il a bien arbitré sur toutes les mêlées. C'est bizarre, moi, je pense qu'il y a des mêlées qui étaient c'est un peu à notre avantage. Qui, juste avant que tu finisses, parce que nous, on a un pseudo-arbitre dans l'équipe. Ouais. Hein, qui s'appelle Alexis Cassan et qui va pas tarder à nous dire oui, mais vous comprenez, c'est facile quand on est seul face à 30 bonhommes. Non. Oui, on comprend. Non, on je comprend. Comprends pas qu'il n'y ait pas de carton jaune. Voilà. Ouais, vrai, je comprends pas qu'il n'y ait pas de carton jaune sur Gimeno. Non, ça je comprends pas. Je suis désolé. Il est pris en l'air. Voilà, il est pris en l'air, il est truc. Mais non, il a dit que intégrité faible, joueur, faible dangerosité. Voilà, faible dangerosité. Il retombe sur les épaules. Il retombe sur les épaules, sur le genou de la. Non, mais bon, d'accord, très bien. Sur celle-là. Sur le plaquage haut, on n'en parlera pas. Alors moi, il y a quelque chose qui me surprend sur cette action. Il y avait l'action d'essai. Il y a l'action d'essai. Donc, pour moi, il y a essai pourquoi, la pénalité. Pourquoi il n'y a pas de plan large pour montrer si c'est le dernier défenseur ou pas. Parce que le réalisateur est le cousin à travers. Effectivement. En plus, c'est Fredo, puisque nous, on s'était vu un petit peu avant. On était en train de préparer l'émission. Et quand il est arrivé sur cette action-là, on s'est tous regardé un peu. C'est le bémol que je mettrais sur l'arbitrage. Après, en première mi-temps, il avait été assez correct. Mais sur les 20 dernières minutes... Peut-être qu'en première mi-temps, il avait son chien aveugle. Ah, je sais pas, j'en sais rien, mais... Mais on t'en parle d'intégrité de Gimeno. Il y avait plus de piles dans le coup du sage. Dans le bon, on va dire que c'est l'appréciation de l'arbitrage, je suis d'accord, c'est l'appréciation. Mais si on met pas les mêmes règles sur chaque match, ça va pas le faire. Hein. Chaque arbitre. Alors, ah, mais c'est compliqué, il faut le comprendre. Ça t'inquiète, j'arrive à lire d'ici. Je te la rendrai. Parce que c'est vrai que tu t'es fait beau aujourd'hui. C'est dimanche. Après, c'est pas l'arbitre qui nous fait perdre le match. Non. Bien clair aussi. Bah après, on a été beaucoup pénalisés sur les fautes au sol. Et puis sur la mêlée aussi. Sur la mêlée, des fois, c'est difficile à arbitrer parce qu'il y a peut-être que, je ne sais pas ce que tu as pensé, toi aussi, ce que vous avez pensé, mais il y a quelques pénalités qui n'étaient peut-être pas sifflées du bon côté, où j'ai l'impression que des fois, ils sifflent un peu. Ouais, au hasard, le coup franc, il ne sait pas trop comment être. Allez, bon, on m'a dit de ne pas surtout faire cette mêlée, là, les mêlées, bim, bam, boum, à droite, à gauche. Surtout la mêlée où on récupère le ballon, on est dans l'avancée où le Racing est pour marquer l'essai. Et je sais pas, je pense l'action de l'arbitre, il met, la mêlée avantage du Racing. Après, sur l'interprétation, c'est compliqué quand même. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas la vidéo. C'est ça. Ils ont lâché à un certain moment, où on était sous pression sur un côté, et il a pris cette option-là sur le match. Et c'est vrai qu'on s'est fait paniser pratiquement, enfin, beaucoup là-dessus. Quoi, sur les mêlées. Après, tu n'as pas pris de reculade franche, hein, c'est souvent tourné, écoulé, lâché. Voilà. C'est pas. Fait la faute. C'est toujours délicat. Mais en fait, on a été quand même. Parce que je crois que le carton jaune intervient au bout de la cinquième faute. D'après ce que l'arbitre dit. Oui, sur Faleté. Sur le carton jaune, parce que ça fait la cinquième faute. Par contre, Mauricio se met aussi. Ah oui, Mauricio se met en colère parce que l'arbitre. Il y a six fautes au sol du Racing. En l'espace de 6 ou 7 minutes.
et il n'y a aucun jaune qui est donné. C'est le gros problème sur ces situations d'arbitrage, même si on en reparlait, et qu'attention, on ne se cache pas derrière l'arbitrage, non. derrière une défaite. Non, il faut c'est prendre ce qu'on nos responsabilités. On le dit. Hein. Mais vraiment, il faut insister sur le fait que quand tu donnes un arbitrage d'un côté, il faut que tu essayes d'avoir le même pour rester au moins cohérent par rapport aux deux équipes. Mais c'est ce là. Que je vous dis depuis ouais. le début, c'était Castagnède. Hein. Et on ne jouait pas à domicile. Hein. Alors j'ai Anthony Guerrero, grand fan du CEO, oula. Tous, qui nous regarde et qui nous dit sur Gimeno, j'aurais mis un rouge. Pas un rouge parce que c'est. Attends, tu te lâches là. C'est quand il est claqué au chaud, en touchant. Et il tombe sur les épaules. Voilà. Mais... Il lui passe dessous. Dessous et... ouais. Alors, un jaune, je pense que suffit. Mais peut-être sur le plaquage là. Moi je pense plus sur Combezou. Alors, s'il met jaune. S'il met jaune. Il doit mettre cette pénalité qui va derrière. Sûr. Sinon, mais c'est jaune-orangé parce qu'en pleine vitesse, à la limite, sur l'impact, après, le joueur il lâche, mais ouais. il essaye de l'emmener jusqu'au bout. Ouais. Je veux dire, il a, sur la volonté, il n'y a plus vraiment à pouvoir chipoter. Ça manque un peu de sensualité. C'est vrai, je trouve non, aussi quand même, problème, on y reviendra c'est, sur c'est ça. C'est ce qu'on disait, on n'a jamais vu, nous, on a vu les ralentis en roi de le match, on ne voit jamais le ralenti te faire. Le plan large le pour plan large, comprendre pour voir si un dernier défenseur ou pas s'il anéantit la, l'action d'essai et ça, voilà. Il semble que ce soit qui c'est ça. Mais c'est le cas et c'est l'impression qui bon. C'est ça bon, alors j'ai William Lyon qui dit ne soyez pas étonnés que les arbitres soient contre nous et pourquoi non, et pourquoi il faut pas être étonné faut pas dire ben sûrement parce qu'ils sont à Créteil comme lui hein. Le mec du 94 ça, à Créteil. On a même la Normandie qui regarde. L'arbitre à ce niveau-là, même à, enfin, à tout niveau, mais à ce niveau-là, ils sont. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils sont contre ou contre une équipe. Enfin, non. Ils sont impartiaux, je pense. Ils sont pas cohérents du tout. Mais Castagnède aime bien les équipes à domicile. Non, après, ils sont. Donc, du coup, la prochaine fois, c'est ce que tu disais. Sur une feuille, sur un match qui a lieu, par exemple, là, d'être à 17h, la même faute, elle sera prise avec un carton rouge. Voilà, c'est l'appréciation de l'arbitre. Oui, mais c'est là où c'est pas logique. Ce qui est dommage, c'est qu'avec trois arbitres, mais c'est l'arbitre vidéo, un Mouchard et deux sur les côtés. Je pense que si les arbitres de touche, ça c'est une idée, avaient des prérogatives à peu près similaires à celui du milieu, c'est fini. On aurait beaucoup plus de cohérence dans le pour l'arbitre vidéo, je crois qu'il était sur Fortnite, lui. Parce qu'il a pas compris que. Quand tu vois une erreur comme ça, il faut quand même pouvoir intervenir. C'est je veux énorme, dire, là, ça met l'intégrité du joueur, quand même. Enfin, oui, mais tu comprends, si le Racing perd un match à la maison, il va y avoir le feu, la salle de concert, il faut le rentabiliser. C'est compliqué, tout ça. Hein. Ouh. D'ailleurs, on va pouvoir passer à l'autre séquence. L'autre séquence, c'est parti, le coup de gueule. C'est parti. Nous entendre dire ça ? Non, c'est bon, vous pouvez parler maintenant. Ah, bon, moi je vais commencer par le mien. Oulala. Mais dans un, j'en ai deux. Attends, je m'éloigne un peu attention. Parce que toi, t'as des gros coups de gueule en général. Déjà, le premier, il faudrait qu'on arrête de tuer notre sport. Pour qu'il y ait du monde dans le stade, il faut arrêter de jouer un dimanche à midi. Faut arrêter ces conneries. C'est bien beau, Canal+, on vient nous mettre du championnat anglais que la moitié du pays ne suit pas, ne comprend pas ce qui se passe. Je suis pas trop d'accord avec toi. Oui, ouais, mais même, on a quand même des sports en France qui ont le mérite qu'on s'y penche, qui méritent d'être regardés. Et le rugby à midi et demi, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de tuer les fréquentations dans nos stades, comme les jeudis soirs pour la Pro D2. Y a un moment, ça va. Et sur ce même coup de gueule, on va pouvoir en profiter pour... voilà. Alors, c'est joli, le U Arena. C'est joli. Là-bas, on se tape sur le ventre. C'est une grande réussite. Lorenzetti, bravo. Mais alors... Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais il n'y a pas de supporters, il n'y a pas d'ambiance. On met de la musique maintenant, même dans les stades de rugby. On est en train d'américaniser un petit peu la chose. On a une espèce de show qu'il n'y a pas parce que ce n'est pas les pauvres 700 supporters et pour les autres, c'était des ballons gonflables. J'ai un copain qui n'a pas ce Bluetooth, là, Hugo Arena, qu'est-ce que tu racontes? Il faut quand même prendre en compte aussi qu'on est dans un stade de rugby. Ah, ça, c'est sûr, on n'est pas embêté par les sifflets des adversaires. Il y a personne dans la tribune. Mais même, tu peux pas, même que tu y es, ils te mettent la musique à fond. Tu mets la musique à fond. Donc, ça tue un petit peu ce côté rugby, ces stades fermés, cette ambiance-là. Moi, c'est juste ça. Après, ça ne remet rien. Où on va aller? Maintenant, supprimer les conditions météo. Bientôt, dans la Hugo Arena, ils auront des systèmes d'arrosage au plafond qui pourraient faire jouer les joueurs sous la pluie. Puis, avec une clim, des canons en linge artificiel, puis on va, quoi. Allez, dans deux ans, Yana, elle est arrivée. Super rugby, c'est le super rugby. Voilà, c'est juste ce petit coup de gueule là, moi qui m'a. Après, il y en avait d'autres, mais j'aime bien quand c'est les autres qui s'en prennent à l'arbitre. Isabelle, qu'est-ce que t'en penses? C'est qui s'est pris à l'arbitre? Moi, la Lienne, Sarina,
c'est bien. Ils ont voulu faire un terrain pour ne pas avoir, être embêtés sous la pluie et tout ça. Mais il y avait d'autres solutions. Tu peux faire un toit ouvrant comme font les Anglais ou les Gallois ou des choses comme ça. Après, avoir un super écran, avoir le plus beau écran, le plus grand écran du championnat. Très bien. Ça, c'est bien quand tu prends des branlées en plus. Tu vois le score en gros. Quoi. Voilà, non, mais bon. Quand tu reviens ton cas, tu sais que tu changes. Et... C'était tellement fort que l'année dernière, ils avaient confondu le logo d'Agen avec on n'a pas revu les vestiaires. Ouais, ouais, j'ai pas revu les vestiaires. Donc, j'aimerais savoir si les vestiaires ont. Mais moi, là, tu les voyais en gros plan. Ouais, ah non, mais maintenant. Ah oui, t'as grandi du côté des vestiaires des. Non, non, c'est ça. Ils se changent dans les bus maintenant. C'est voilà, parce que ça, c'était les vestiaires, c'était un peu problématique. Mais enfin, Beyoncé avait gueulé d'ailleurs. L'année dernière, c'était pas normal que les adversaires aient des petites chaises de rien du tout et des trucs. Alors, quand Lorenzetti nous parlait en plus du casque olympique, sur nos vestiaires et tout, quand je voyais. Sur les installations qu'on puisse avoir, nous, pour un petit stade, pour une petite ville comme la nôtre. Mais Lorenzetti, ce qu'il n'arrivera jamais à avoir et qu'on aura toujours à faire, c'est un public. C'est la ferveur, c'est l'amour, c'est des supporters qui respirent, qui sentent le rugby. Ceux qui ont le stade français, qui n'ont pas au Racing. Ils l'ont encore, au Racing, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils n'ont pas cette âme-là encore. Si, ils sentent le parfum, quoi, tout ça. C'est parce qu'il manque le nœud-pape. Dis donc. Hey, Julien, toi tu l'as mis le pape aujourd'hui. Supporter du Racing, joli gars quand même. Je me suis posé, quand on les a vus rentrer sur le stade, sur le terrain, on a l'impression qu'ils ont nocturne. Ah oui, oui. Mais oui, c'est ça, t'avais l'impression. Et à un moment donné, il y avait du brouillard, on avait l'impression qu'il y avait des fumigènes de partout. Tu voyais plus rien. Mais t'avais raison, ils vont faire du super truc. Bientôt, on va jouer avec des lunettes 3D et des faux ballons. C'est ça. Ouais. Non, non, c'est. Moi, c'est juste ce côté-là qui se perd un peu. Et puis sur la fréquentation des stades, il faut pas. En mettant des matchs à midi, ouais, à l'époque, on avait des matchs à 16h le dimanche. Voilà, traditionnel, c'est 15h. Midi, ouais, ou 15h, voilà. Qui vient en famille, bon, ça peut pénaliser les petits clubs autour d'avoir peut-être un peu moins de fréquentation, mais les vrais, ils vont quand même. Mais c'est ce rugby-là qu'on veut voir. C'est pas ce rugby à midi et demi dans un stade qui est à 3h40 en plus. Le problème, c'est que c'est quand même plus qu'il. Bien sûr. C'est la machine à cage du rugby. C'est elle qui commande. Et justement, pour y revenir, hier j'ai vu que sur Canal Plus Sport, avant on avait le multiplex, mais hier c'était du foot anglais. Ouais, exactement. Non, le foot anglais rapporte plus après le rugby. Ben oui, tu as vu le championnat cette semaine. C'est dû à quoi ? Parce que bon, c'est vrai que le foot c'est mondial, on le sait bien. Mais c'est le pognon qui. Mais le rugby quand même, le top 14, ça fait des années que ça existe, je veux dire, ça a toujours fonctionné. Mais là, c'est quand même. Il y a des articles qui disent que le rugby en France est en perte de vitesse. Disons que pour perte de vitesse, déjà, je pense que les résultats de l'équipe nationale font qu'aujourd'hui, ça aide pas forcément. Ça aide pas parce que ça intéressait un public qui n'était pas forcément un public d'amateurs le rugby au niveau international. Moi, je connais pas mal de gens qui ne s'intéressent pas forcément au rugby, mais qui ont les matchs de l'équipe de France. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas bons. Donc, notamment pour France-Italie, il paraît que c'était une catastrophe en audience. Voilà, et puis en plus. Les gens, il n'y avait personne au stade. Et au stade. Dans le jeu aujourd'hui, dans le jeu qui est pratiqué au niveau des clubs, peut-être que les publics n'y retrouvent pas son compte. Un peu plus de spectacle. Il y a peut-être ça aussi. Parce que les nouvelles règles, justement. Et puis peut-être la vidéo aussi, qui a pris beaucoup pour les matchs. Il y a beaucoup de temps mort maintenant, ça arrête. Vidéo. Ouais, mais après, on sait qu'il y a moins de licences. Ils le font aussi. Non, mais t'as moins de licences. On est encore sur les coups de gueule là. Non, moi j'ai un gros coup de gueule que je comprends pas, c'est au niveau de l'arbitrage vidéo. Par exemple, il y a une action qui se déroule, il y a une faute qui se déroule à la 60e. L'arbitre arrête l'action à la 65e, il y a 5 minutes qui se sont écoulées, il fait l'arbitrage vidéo et là il repart à la 65e. Au lieu de repartir à la faute initiale sur laquelle il est revenu qu'à la 60e minute. T'as 5 minutes qui se sont écoulées. 5 minutes qui se sont écoulées, elles se sont volatilisées, tout ce qui s'est passé pendant ce laps total de 5 minutes est sorti du match, ne comptera pas pour le match, mais on revient pas au chrono initial de la faute. Ça, je trouve et ça dommage. Peut-être que même en jouant juste pendant 5 minutes, la personne concernée aurait pu prendre un carton et qui reste au même nombre. Donc c'est quand t'es derrière, c'est pénalisant, quoi. C'est ça. Ouais, tout à fait. Après, on sait très bien que le foot a plus de licenciés, c'est un sport qui est mondial par rapport au rugby, c'est plus regardé. Mais quand tu regardes la journée de la semaine dernière du championnat de foot a été étriquée du vendredi jusqu'au mardi ou mercredi. Donc, c'est Canal Plus qui décide. Alors qu'avant, tu avais ton match le vendredi, le samedi, le dimanche. Mais après, vous savez. Ça tue le rugby amateur. Ah ben oui, c'est ça. Et Mazamé, comment ils font, toi, Mazamé, avec ça? Mazamé, ils font comment, là, avec Lolo Cabrol? Le mieux, ouais, c'est d'aller à la paillote, les voir, et puis voilà, on est tranquille. Non, mais c'est vrai que ça pose des problèmes, on le sait très bien. D'ailleurs, Boudjelal ne voulait plus jouer le dimanche à midi. Tu me diras quel c'est qui veut jouer. Boudjelal, c'est un gros problème parce que si on parlait rien que de lui. Boudjelal, c'est 20h30 le samedi soir. C'est ça. Non, mais bon, il disait qu'il perdait beaucoup d'argent.
peux comprendre. Là, ils vont perdre encore. Alors le problème qu'il y a avec Mourad, c'est qu'il perd beaucoup d'argent, mais il en a toujours autant. Oui, c'est ça. Ils ont toujours le moyen de recruter, mais ils perdent beaucoup d'argent. Oui, oui. Ouais, après, c'est vrai que si on compare les infrastructures de l'Arena, par exemple, avec le Castres Olympique, le Castres Olympique, en 5-6 ans, a pris un virage énorme. Avec les transformations du stade, les loges, enfin, les buvettes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements, de rénovations qui ont été faits sur le stade. Qui ont été refaits, c'est un joli stade. Et même dans l'animation du stade, il y a un gros travail qui a été fait par le staff du Castres Olympique, Mathias. La création de la Blue Army, la mise en place de certaines opérations pour garder les enfants, pour pas mal de choses. Le COP, il y a pas mal d'opérations qui ont été faites. Si on n'est pas très sage, on peut... Non, mais je veux dire, voilà, il y a plein de choses. Mais c'est qui voudrait se faire regarder, moi, je suis... Si d'ailleurs vous pouviez en ramener quelques-unes de Russie. Et nous, on est preneurs. Voilà, des OTS. Bon, allez, pour finir sur le top 14, avant de passer aux invités, le match de samedi prochain face à l'UBB, ça réagit aussi là en direct. Qu'est-ce que vous en pensez là? À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre un match Une standing ovation pour Christophe Furios. On peut s'attendre. Ben, santé Christophe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les grillades qui attendent toujours. On avait dit à la base avec Fredo, s'il vous plaît, ne me lancez pas sur le sujet. Alors on va laisser la parole à Fredo un petit peu. Ouais, Fredo. Fredo, toi qui l'as bien connu, je pense que bon après il a quand même été champion de France. 4 ans, il a champion de France avec Castres. En chambre, mais. Moi, au niveau de ce que je peux en dire, en fait, puisqu'on aborde le sujet, c'est quand même le premier manager qui a ouvert les portes à tous les éducateurs comme il l'a fait. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ils nous ont ouvert le Lévezou, sous tout ce qui était projet de jeu, ce qui s'était jamais fait auparavant au Castres Olympique. Donc ça, quand même... Grosse innovation. Et aux supporters aussi. Et aux supporters, effectivement. Donc on peut, nous, en tant qu'éducateurs, on peut vraiment lui dire merci, parce que moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup progresser, parce qu'on pouvait être au contact du monde professionnel. Et voilà, après, il a été champion de France dans une équipe, avec une équipe où il n'y avait pas forcément dans une ville de 45 000 habitants. Avec un des plus petits budgets du championnat. En ayant passé deux premières années un peu compliquées en arrivant. Exactement. Après, ce qui s'est passé, je pense qu'effectivement, pour le samedi prochain, la motivation sera tout trouvée pour les joueurs, au vu de ce qu'on a pu entendre récemment sur la fin de saison. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir marquer le coup pour la venue de Christophe Furios au stade. D'avoir perdu la saison dernière contre Bordeaux. Il y en a peut-être qui ont quelques comptes à régler. Ouais. Non, alors après, effectivement, moi je ne suis pas dans les petits papiers des joueurs, tout ça, mais bon, on entend tous parler de certaines choses. Donc je pense que c'est le match à Castres. Bon, par contre, après Christophe, il n'y a rien à dire sur ce qu'il apporte logistiquement à une équipe quand il arrive. Non, ça c'est certain. Après, par contre, je reviens là-dessus par rapport à Christophe Furios. Là, moi je suis allé assister la dernière fois à la mise en place contre Montpellier. Ben là, j'ai vu une équipe qui a repris avec Mauricio, qui a repris de la joie de vivre, des mecs qui s'éclatent à l'entraînement. Il y a une autre dynamique, une autre synergie positive. Qui est arrivé, malgré la fin de saison catastrophique qui s'est passée. Là, vraiment, on voit ça, une bande de copains qui s'amusent, les mecs qui sont remplaçants, mais ils sont contents quand même, ils jouent pas, mais ils sont contents quand même, ils soutiennent le groupe. Il y a vraiment une osmose. Puis il y a eu une belle aventure, il y a une aventure quand même avec Christophe Furios quand il y a un titre. Je pense que ce qui a fait un peu de mal, c'est l'annonce très tôt de la saison de son départ, et aussi très tôt de son départ à Bordeaux. Maintenant, ça fait partie du jeu. Mauricio, en janvier, il sait qu'il vient ici, il annonce ici. Il y a 8 ans, quand ils étaient partis, les deux Lolo, c'était pareil, ça a été fait en début de saison. Et maintenant, le rugby commence à aller un peu plus vers le foot par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait mettre en ordre les périodes. Les périodes de transfert sur 2-3 mois, même si c'est fait. Il faut qu'il n'y ait pas d'informations qui fusent avant les périodes de transfert. Il a quand même joué beaucoup là-dessus, sur cet affect avec son groupe, avec cette. C'est à l'esprit, je le pense. Cercle. Le cercle. Et je pense que à Castres, le fait d'avoir annoncé particulièrement son départ un peu tôt, alors après, c'est normal ou pas, je ne sais pas, mais ça n'a pas été. La fin de saison, à mon avis. On l'a payé, On l'a payé, à mon avis. Bon, mais. Alors, pour clore le débat, j'ai un certain Christian Calmet. Le papa. Une idée, revenir au match le dimanche à 15h avec un lever de rideau match des jeunes et un multiplex pour les personnes qui viennent pas. Tout à fait d'accord, Christian. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas à Canal Plus, à Christian. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas à Canal Plus. Christian, tu veux faire une réception, comme à l'époque, là-bas, au sable, au-dessus du salle du Rey, là-bas, je me souviens.
Il était bon le pâté. Non mais c'était formidable pour les supporters. Non mais à enfin, quelle pour heure les amoureux du rugby, façon, la, et les jeunes. La chanson de rugby, elle est toujours toi qui n'as jamais joué, tu ne peux pas comprendre qu'on incarcérait le dimanche à 15h. Jamais entendu parler le dimanche à midi et demi. Non mais déjà pour certains ils se levaient. C'est l'estomac serré à midi et demi. Non mais c'est vrai que c'était bien. Non mais les levées de rideau avec les jeunes, c'était formidable. Moi j'ai connu ça quand on avait été champion avec Francis Ruiz et tous ceux qui s'en suivent, on avait les rideaux, tu voyais les espoirs, tu voyais les Richets, tu voyais les cadets. C'était bien ça. C'était bien parce que là, tu voyais les... Là, il n'y a jamais levé de rideau. Voilà, tu vois l'évolution du... Et puis ça, les gamins, ça les met en avant. Les jeunes qui jouent en Framboise, c'est l'espoir et tout, ça. Je pense que les espoirs, l'année dernière, les espoirs pour le match, quand ils ont joué leur finale d'accession, ici, ils ont été super ravis, quoi. Mais Pierre-Antoine, c'est... Voilà, je veux dire... Pierre-Antoine, c'est mythique. C'est mythique, quoi. C'est ce qu'espère tout gamin qui joue dans son public. Tu les mets dans les vestiaires des pros. Tu avais l'investir des pros, donc et les pros étaient venus les voir en plus, donc je veux dire c'est demande à Julien qu'a foulé je sais pas combien la pelouse de fois la pelouse de Pierre Fabre. Mais moi je l'ai à genoux devant Rodrigo. C'est vrai parce qu'à l'époque en fait c'était notre symbolique, à chaque fois qu'on terminait un match il venait devant moi, on se mettait à genoux tous les deux. Bon moi souvent je restais plus à genoux parce que j'avais des problèmes de dos aussi. C'était pas ça. Il a bon dos le dos, c'est le cas de le dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'après il me décalait la buvette sur la pelouse comme ça, on pouvait se rester allongé, c'était plus simple. Bon, allez, on finit le fil rouge. Ah oui, on remet sur le fil rouge. Sur le fil rouge. J'ai nombreux à voter. Et exactement. 50-50 quand même. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire ça. Je le suivais, c'était serré, 50-50. C'est incroyable. Une bonne question pourri, mais qui avait le mérite d'être existentielle. Je crois qu'on a débattu un peu tout le long de l'émission quand même. Hein. Donc, à savoir, est-ce que le club s'appuie assez sur sa formation? Moi, j'ai voté oui. Moi, j'ai voté oui aussi. Et toi, Fredo, moi j'ai voté non. Voilà. D'accord. Pourquoi? Mais moi j'ai voté oui si tu veux. Parce qu'il y a plusieurs périodes dans le CAS olympique. Et c'est souvent la période où tu regardes. Non, mais là on parle de la période récente. Là, moi je parle de ce que je vois depuis le début de saison. Ça dépend de ce qu'on appelle de la formation. Exactement, on est d'accord. Pour moi, c'est. À partir de quel âge on considère qu'un jeune a été formé au CAS olympique? Combien de temps il a passé? C'est ça que tu veux dire? Et il faut perdurer. Moi, trop longtemps, on a entendu dans le club. Ah, ou mais vous savez, par génération, s'il en sort un, c'est déjà bien. Mais c'est jamais. Et quand on a l'ambition d'en sortir un, on en sort zéro. Mm. Si on ne met pas les moyens pour en sortir 10, 12 par génération, c'est ça. On en sortira très peu. C'est le mal du rugby français, j'aime bien. Voilà, et c'est ce qui s'est passé longtemps chez nous. Là, il semblerait que, je suis même certain, ça le discours est complètement différent, puisqu'on ne parle plus que de projet de jeu, on parle de projet de formation. Mm. Mais le chantier, il est grand. Il est grand. Et. Voilà, donc déjà nous on voit à travers les matchs depuis samedi dernier que ben, y a des paroles, ben, y a des actes aux paroles avec les jeunes. Et après, je pense que le problème de la formation, c'est un problème de formation dès le plus jeune âge. Oui. Si c'est prendre un joueur à 17 ans, 18 ans de l'extérieur, le mettre en centre de formation pendant 2 ans et dire on forme des joueurs, c'est pas ça. On est d'accord. Si c'est prendre des joueurs, être capable à l'école de rugby de pouvoir les amener, de leur amener un certain nombre d'attitudes, de comportements pour les amener sur le très haut niveau, si ça on est capable de le faire, oui, on sera à la formation. Je pense qu'à partir de cette année, ça va être quelque chose qui va être fait. Il y a une espèce d'enfoiré qui est en train de regarder l'émission et qui a marqué « Il faut des chemises en XXXXXL ». Des chemises, je sais pas, mais des polos, oui. En chemise, ils les font, en caleçon aussi, mais tu dois pas être habitué, tu mets des slips 8 ans, toi, non? C'est pour Alexis Cassan. Ouais, j'ai vu ça. Allez, et après... Pour revenir à la formation, dans ce qu'il disait, c'est vrai que dans les années 95-2000, il y avait une formation contre l'Olympique qui était présente, qui sortait des joueurs, mais seulement, je ne me souviens plus qui s'est entraîné, ou je ne veux pas m'en souvenir, à ce moment-là. Mais en tout cas, ce que je me souviens surtout, c'est qu'à part Albouy, les joueurs ne perçaient jamais. Et après, vous avez des Johan Miss qui ont percé à Albi, des Franck Maréchal qu'on perce à Montauban, et d'autres que j'oublie, Vineski qui a été formé au CAS olympique une grande partie, Julien Caminati qui faisait déjà partie en jeune, jeune en espoir, de l'effectif du CAS olympique, Florent Fourcade aussi qui a joué à Albi, toutes ces générations de joueurs-là, elles ont été formées, elles ont eu le niveau pour accéder à la Pro D2 ou au top 14, mais on n'a pas été capable de les garder, parce qu'on n'aura pas donné l'opportunité. Santoni, Arganez... D'ailleurs, vous avez une génération qui s'était suivie sur 5-6 ans. C'est une belle génération. Hein. Mathieu Diebold aussi, qui était parti à Berry, qui était capitaine de l'équipe de France championne du monde en 97 ou 18, un truc comme ça.
Façon, oui, on en a perdu, on en a perdu. On n'aura pas, de façon, on n'aura pas le choix de. Alors, on n'aura pas le choix de. T'as pas de budget, il faut former. Ouais, c'est ça. Des taux. C'est-à-dire, à partir de l'école de rugby, il faut qu'on soit capable de savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut apporter aux jeunes et dans qu'est-ce qu'on veut leur amener comme, comme attitude pour les amener sur le haut niveau. Et c'est un enchaînement de toutes ces catégories qu'il faudra qu'on soit capable. Et puis s'appuyer sur les clubs à côté, comme Brouillet, comme Mazamé. On est la passerelle avec l'Aviron. Il y avait une passerelle avec l'Aviron pour où ça en est, ça. Aujourd'hui, l'Aviron Castré, comme avec les autres clubs, et on a des ententes au niveau des licences qui sont faites. Puisqu'il y a le 100% région. Double licence, c'est-à-dire qu'il peut jouer dans les deux clubs. Tout à fait. Il y a le 100% région qui est en place depuis quelques années, qui, en fait, qui est un partenariat avec l'ensemble des clubs tarnais. Et même aujourd'hui, ça, ça se développe avec Albi, ce qui n'était jamais arrivé. Nous, on a quatre en Gauderman, on a quatre petits Albigeois qui viennent nous rejoindre cette année. C'était jamais arrivé, ça s'est fait tout à fait correctement, avec une discussion entre les deux clubs. Les gamins viennent à l'école ici et ils seront scolarisés à Castres et ils joueront avec nous. Et donc, il y a des passerelles qui se font avec ces clubs-là. Voilà, donc, et je dirais heureusement parce qu'aujourd'hui, notre groupe aujourd'hui, je parle du groupe Gauderman aujourd'hui, on a 32 joueurs en Gauderman, donc à des premières années. Et sur ces 32 joueurs, nous avons 5 joueurs qui sont issus d'école de rugby ici. Donc à côté, le réservoir, il n'y a aucun jeune joueur qui vient de l'extérieur hors département. Non, mais c'est bien parce qu'on a. C'est qu'il y a des joueurs, il y a des clubs comme Brouillet, Gaillac, Castres, Mazamé. Brouillet, Albi, Mazamé. Brouillet, Gaillac, Mazamé. Plus proche, donc, l'Aviron Castré sur la route. Ouais, parce qu'on quand même, on a perdu quand même des joueurs comme Ramos quand même qui est formé à Mazamé. On a perdu Yannick Josion qui était formé à Brouillet. Tu veux beaucoup plus simple. On n'a pas réussi, mais là c'était compliqué parce que son père vient entraîner. Mais Jean-Baptiste Redjardo, qui a signé au Stade Toulousain, qui a été formé à Castres. Ouais, exactement. Ouais, jeune. Après, c'est peut-être pas lui mettre la pression aussi, d'être le petit papa aussi. Le problème qui peut arriver avec Mauricio, c'est que s'il prend un de ses fils, parce qu'il a Bernard aussi qui joue en Pro D2 à Aurillac, demi de mêlée, il a Jean-Baptiste qui joue pilier. Le problème qu'il y a, c'est que si le gamin réussit, on va dire qu'il est bon. Et s'il réussit pas, on va dire il est là parce que c'est le père de Mauricio. C'est ça. Son père, c'est Mauricio. Donc c'est compliqué pour le gamin. C'est une pression énorme à porter. Je pense qu'il a 19 ans là et c'est un peu jeune encore pour. Après, il peut aller faire ses armes au Stade Toulousain, être tranquille, puis revenir au. Mais quand il y a un joueur qui est parti au Stade Toulousain pour le récupérer, c'est compliqué. Après, ça dépend. Après, ça peut être l'affectif. Là, aujourd'hui, par rapport à ça, effectivement, c'était compliqué à l'époque. On s'aperçoit que depuis 3-4 ans. On a pas mal de Jean Le Cravos, des cadets. Des cadets, oui. Récemment, on a eu deux, trois cadets qui sont venus. Il y a des Cravos qui sont venus du Stade Toulousain vers le CO. Il y a une carte au flou là qui est arrivée là, c'est quand même derrière. Oui, t'as le choix. Quelques joueurs que je connais, qui ne sont pas connus parce que c'est encore, ils sont encore en Cravos, mais il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés du Stade Toulousain, ce qui n'était pas du tout. Quel leur potentiel, ces joueurs est-ce que c'est les joueurs que le Stade Toulousain ne souhaite pas conserver ou c'est non, les joueurs ils sont barrés peut-être, ils sont barrés par certains joueurs aussi. Ouais, donc, aujourd'hui, quand même, que la politique, même si on parlait de formation tout à l'heure, mais ça fait 4 ans quand même que. Il y a quand même des jeunes joueurs qui jouent avec, qui jouent avec Christophe Lyon. Qui jouaient pas avec les jeunes de l'extérieur. Ils disaient, au Castres Olympique, on fait quand même jouer des jeunes. Et donc, ça, l'attrait est de plus en plus important. Voilà. T'es champion de France, t'es pas loin. Aujourd'hui, tu cherches l'efficacité de suite. Il y a des garçons qui réagissent aussi à ça, qui aiment l'état d'esprit. Qui aiment et puis, Toulouse avait changé de politique aussi à un moment donné, puisque ça s'appuyait plus sur sa formation. On préfère aller chercher des joueurs. À l'extérieur. Ils ont monté les académies. Ils sont revenus là-dessus. Ils l'ont toujours gardé parce que justement, il y avait avant tout le Fuyard, avec Roger Thomas, tout ça. Par exemple, qui a monté une académie à Tahiti, là-bas, sur les îles. Et qui partaient recruter des joueurs. C'est ce qui leur a coûté cher d'ailleurs sur les dernières années où on ne les a pas vus au niveau non plus. Hein. Ils n'avaient plus de réservoirs, ils n'avaient plus de profondeur. Tu vois qu'ils te sortent des jeunes comme Mouvaka, là, qui vont chercher des mecs comme ça qui sont. Et ouais, dans le même principe, après, c'est aussi des joueurs à qui tu donnes du temps de jeu à un moment et qui puissent aussi s'exprimer sur le terrain. De toute façon, il n'y a que la vérité du terrain. Ouais. Un joueur, il peut avoir un gros potentiel, s'il ne joue jamais, tu ne le verras pas forcément. Oui, il faut qu'il ait de la confiance aussi. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, à avoir des gens justement à côté qui puissent l'accompagner, c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut voir les choses. Là, je pense que Mauricio, il est en train de redonner un crédit plus qu'on avait déjà avec Christophe Furios. Mmh. Et on est en train de se dire, oula, tu auras la feuille de match, la plupart des remplaçants, tu fais ta moyenne d'âge, tu as 24 ans, quoi. Tu te dis. Puis ça peut être un tremplin, tu peux être un tremplin pour aller vers un Clermont. Puis ça donne envie d'entraîner, ça m'estime. Ou un Racing. Déjà, pour un jeune joueur qui tangent, se dire, bon, je vais où ? Je vais au Stade, je vais à Castres, je vais, etc. À 17-18 ans, il se dit, bon. En voyant ce qui s'est vu encore aujourd'hui, ça me semble. J'ai plus de choix à chance de jouer à Castres. C'est peut-être la meilleure publicité qu'on puisse faire. Ce qu'il vient me chercher, c'est qu'il a l'intention de me faire jouer à preuve. Exactement. Et donc, ça peut être intéressant aussi pour un jeune joueur de venir au CO parce que c'est un tremplin
pour vers le top 14. Mmh. Et pour nous aussi, en tant qu'éducateurs, derrière, c'est valorisant, ça valorise le travail. C'est des impressions de nos gamins, hein, qui ont 14 et 15 ans. Mmh. Disant, t'es crédible, quand tu leur dis entraîne-toi, tu peux y arriver. On est exigeant sur ce qu'on demande, par contre, regarde ce qui se passe à Meaux. Il y a quand même une récompense qui peut être... Voilà, ça fait partie des choses intéressantes. Alors, justement, la formation, on va en parler, on va passer à la rubrique invité. Jingle invité. Et on revient vers vous. Allez, on revient. Allez. Place aux invités. Bon, on va commencer comme vous voulez. Vous battez pas. Allez. Alors. J'allais dire la même chose. Laurent, du coup. Dis-moi. Laurent, que vous voyez, que vous connaissez déjà, donc conseiller municipal délégué au quartier et aux commissions sport de la ville de Castres. Conseiller délégué au quartier et faisant partie de la commission sport. Voilà, bon, c'est déjà bien. Ça va. Non, ça suffit pour toi, non mais oh. Ça c'est s'il y a quelqu'un qui nous regarde. Non, ouais. S'il a de ses copains. Toi qui connais aussi le monde du rugby, pour avoir été manager un certain temps pour une équipe nationale, ouais, dont tu peux indiquer d'ailleurs. Non, bon, c'est comme ça, j'étais manager international, voilà, et l'équipe avec qui on a gagné... quelques titres, et où on a raté la qualification à la Coupe du Monde en France en 2007, ce qui m'a conduit à l'échec. Et puis voilà. Bon alors, aujourd'hui toi, on va t'accueillir. Comment tu sens ça justement, tout ce qui se passe autour de la ville de Castres, autour de cet événement sportif, le Castres Olympique, qui reprend la dynamique et la place qu'il a retrouvée? Castres est une ville de rugby, c'est une ville ancestrale de rugby où tous les castrés qui sont là se vivent pour le rugby, ont le rugby dans le sang. Et on le voit qu'on arrive à diffuser une finale ou une demi-finale sur écran géant à la place Pierre Fabre, parce qu'il n'y a jamais de place à Pierre-Antoine, donc là je ne peux pas me tromper. Tu voulais dire où, à l'Allemagne? Ouais, tu peux dire ça aussi. À la place, sur la place Pierre Fabre, on voit une place avec 20-25 000 personnes, avec une ferveur populaire terrible. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens de Castres, mais aussi des gens des alentours, que le CO, merci, le Castres Olympique, est un épicentre au niveau du Tarn, et arrive à rassembler toute une population fervente de rugby à travers les valeurs qui sont représentées par notre ville. Et du coup, l'accompagnement, même pour ce nouveau stade, justement, pour ces infrastructures, pour ce développement, l'accompagnement se fait très bien. Il y a une très bonne entente entre le Castres Olympique et la mairie, la ville de Castres, qui permet justement de modifier, de faire des rénovations, que ce soit au stade Pierre Fabre ou même au stade du Rey. Récemment, il y a un compteur qui a été installé. Du stade Pierre Fabre. Voilà, et donc on travaille en très très bonne collaboration. L'adjoint au maire Guy Delvray travaille en très très bonne collaboration avec le Castres Olympique, parce que bon, déjà c'est un ancien joueur, il fait partie, je crois qu'il est secrétaire de l'amicale des anciens joueurs du Castres Olympique. Donc voilà, on est plusieurs à avoir été au Castres Olympique et à avoir intégré à un moment de notre vie le milieu du rugby et du Castres Olympique dans dans l'équipe municipale. Donc forcément, on a des bons rapports avec le staff, avec l'encadrement, avec le Castres Olympique. Quoi. Et du coup, comment tu sens cette saison, toi ? Moi, cette saison, je vous dis, je la sens compliquée, mais je la sens bien parce que compliquée, mais agréable. Peut-être, je ne sais pas ce que ça donnera, j'espère qu'on sera dans les 6. Maintenant, Mauricio, ce que je me dis, parce que bon, peut-être que ma pensée est faussée par ma relation particulière que je peux avoir avec Mauricio, mais je vois ce qu'il a fait à Albi. Il est parti avec les honneurs, il a quitté Albi, il faisait une statue. Je vois ce qu'il a fait à Agen. À Agen, il est arrivé, il n'avait pas de grosses stars, il n'avait pas de gros joueurs, personne ne donnait cher d'eux, on donnait souvent à Agen perdant. Quand il est venu à Castres, moi le premier, j'étais à l'hôtel avec eux, et le soir, ils me disent, on va essayer de gagner à Castres. Et moi, j'ai dit, les gars, faut arrêter de rêver, saucisson, ça ne pousse pas dans les arbres. Hein. Et finalement, à l'arrivée, c'était moi qui étais comme un couillon dans ma tribune. Donc quand je vois les résultats et le jeu qu'il arrive à proposer avec des joueurs, pour moi, qui sont de moins bonne qualité, sans vouloir les dénigrer, que certains joueurs qu'on peut avoir à Castres, je me dis, ce mec-là, il est capable de transformer une équipe. Et il transforme une équipe, parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit la mise en place, quand on voit plein de petites choses qu'ils ont mis en place. Une petite anecdote, par exemple, ils ont instauré, Fredo, toi tu dois être au courant, l'histoire du petit déjeuner. Mmh. Alors, un jour par semaine. Alors, le premier jour, ça a été Mauricio, Stéphane Prosper et Patrick Furet qui ont préparé le petit déjeuner, qui ont fait les courses et tout. Ils ont préparé le petit déjeuner pour toute l'équipe. Et maintenant, à tour de rôle, ils sont 3 ou 4 joueurs à préparer le petit déjeuner. Et rien que ça, ça crée ça fédère un groupe, ça crée une dynamique, ça change. Voilà. Et là, on a retrouvé un état d'esprit, le lieu de vie, là, qu'il a la cohésion qui est essentielle au rugby. Le sacrifice pour l'autre, l'altruisme, tout ça, c'est des valeurs essentielles. Et on est revenu
vraiment, avec beaucoup de sincérité, dans ses valeurs de fond. C'est-à-dire que là, on ne vend pas du rêve, on ne vend pas des fausses valeurs qui n'existent plus dans le rugby, parce qu'à peine le club, ces valeurs-là, on en parle encore, mais elles se sont perdues, ou les personnes les ont perdues. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans l'affect, qui est dans l'être humain, et qui sait parler à ses joueurs, si bien même que des joueurs qui ne jouent pas sont contents. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, aussi, je l'ai suivi, qui a été avec Albi à Narbonne, où il gagne un match, et puis à la fin du match, il appelle un joueur qui était en tribune. Beka, c'était Beka Benin qui joue à Colombier, le pilier. Et puis devant toute l'équipe, il se met avant, et puis il demande aux autres joueurs de remercier Beka. Parce qu'il dit, Beka, c'est grâce à toi si on a gagné. Parce que même si tu ne l'as pas compris, tu as accepté mon choix. Mm. Et le fait que tu as accepté mon choix de t'entraîner, de jouer le jeu, tout ça, il est capable d'aller dans l'affect et d'aller donner de l'importance à des personnes qui n'ont pas participé concrètement au match sur le terrain, mais qui, par leur comportement à l'entraînement ou dans l'attitude qu'ils ont eu dans le vestiaire, ont participé, ils les intègrent au gain du match. Tu gagnes ou tu perds ensemble. Et voilà. C'est peut-être le vivre ensemble. C'est vraiment un fédérateur et il a vraiment créé un noyau. Et là, je pense que ça va être costaud. Et si on tombe avec des mecs qui ont envie de se filer les uns pour les autres et qui ont envie de mouiller le maillot comme c'est en train de se faire pour leur entraîneur, je pense que voilà, c'est les valeurs de Castres, quoi. C'est notre rugby à nous, ça. Nous, notre rugby, c'est pas un rugby jet set, quoi. Et justement, peut-être d'en parler, on se posait des questions à savoir comment ils pouvaient passer derrière les Olympiades. Tout ce qu'a fait quand même Christophe Furios en 4 ans de pouvoir mettre son empreinte sur la ville autant que sur le club, ouais. Parce que... Mais l'empreinte sur la ville, il avait déjà, Mauricio. On se posait la question, comment derrière, il allait pouvoir relancer ça. Alors, il y a ce lieu de vie qu'il a recréé, le lieu de vie où il se retrouve, où il discute, où il peut les recevoir, parler. Il y a ce petit déjeuner. L'Algeco, le lieu de vie, il est terrible. Avec la PlayStation, le bureau des coachs derrière, la machine à café. Attention, tu as dit PlayStation, il faut dire Xbox et Nintendo, sinon on va avoir des problèmes. D'accord, bon. Non, mais c'est. Et voilà, la table de ping-pong, tout ça, ouais, c'est. Les mecs, ils s'amusent, ils s'éclatent. Le lieu de vie, qui, ouais, ils prennent le plaisir. En même temps, ils passent combien de temps ensemble? Par jour, ils doivent passer ouais, entre 6 et 8 heures. Ouais, donc, c'est une journée de travail. Ouais, il faut que les mecs ils se sentent ensemble et concernés pour aller dans le même sens. Bon, bah, merci Lolo pour avoir répondu à toutes ces questions et pour ta participation. Après, c'est sur moi qui parle beaucoup, donc excusez-moi si j'ai monopolisé un peu. Non, mais c'est pour ça, c'était ta dernière. Donc. Bon, Fredo, on va passer à toi. Que moi, j'avais rencontré, parce que mon neveu joue au rugby, hein. Il y en a qu'un qui s'était dit qu'il fallait qu'il joue, c'est bien. Je l'avais rencontré quand il était dirigeant à l'Aviron. Entraîneur, ouais. Et aujourd'hui, bah, ça y est, tu t'occupes des Goderman du Castres Olympique. Bon, ouais. ce cursus sportif, entraîneur, comment t'as fait cette jonction, toi? Moi, j'ai joué à... C'est papa qui l'a influencé. Ouais, j'ai joué très tôt. Moi, j'ai ma première licence, je l'ai pris aussi au 74. Ça remonte un petit peu et j'ai arrêté en 88 quand ma réponse était nationale. C'était compliqué d'y jouer. Bon, après, j'avais pas de niveau, donc je suis parti jouer dans des clubs de série. Et après, donc, je me suis retrouvé naturellement dans l'éducation, en tant qu'éducateur, entraîneur. Et puis j'ai commencé à être éducateur à l'Aviron Castré, jeune pousse, jusqu'en Benjamin. Et après, je suis parti donc au CO pendant 3 ans en moins de 14 et ça fait la 4e année en cadet Goderman. Mmh. Voilà. J'ai passé mon diplôme d'État il y a 3 ans. Je suis à fond dans la formation. Enfin, du moins, j'essaie de l'être. Comment ça se passe justement, ton travail avec le club? Comment ça se ressent? Parce que c'est jamais simple, en fait, de se retrouver éducateur. C'est les week-ends, c'est la semaine. Nous, c'est... On a 3 entraînements par semaine, le lundi, le mardi, le vendredi, et on joue le samedi. Donc, c'est des jeunes qui ont 14 ans, qui vont sur 15e année. Pour certains, ils ont même 2 entraînements de plus. C'est un entraînement de plus le mercredi. Donc ça prend énormément de temps et voilà, donc après ça fait, voilà, on se sent quand même être un maillon de la chaîne, hein, par rapport à la formation, par rapport à ce qu'on disait, et notamment cette année, avec le discours de Mauricio, où il a axé tout sur la formation et non pas sur le jeu. C'est différent. C'est différent, parce que Christophe voulait imposer un peu le même jeu. Avoir le même style de voilà, jeu. Voilà, d'adapter. Bon, nous, en KDB, on adaptait, on n'était pas sur l'ensemble de leur projet de jeu, même si on en prenait pas mal. Ouais. Parce que sinon, tu passes au sol tout le temps, quoi. Voilà. Mais ouais, mais c'était. Et c'est, là, c'était là, cette année, voulez, on est plus sur les attitudes, les corrections, l'apprentissage, le développement des ressources pour les amener au niveau. Sur la passe, sur le ruck, les attitudes du porteur au sol, les attitudes des premiers soutiens, le jeu au pied. Les fondamentaux. Voilà, donc tous les gestes techniques
il faut qu'ils puissent avoir les jeunes pour pouvoir accéder au haut niveau et y réussir. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas du tout dans le même, enfin je le sens pas, moi c'est le début, hein, ça fait deux mois qu'on on est pas du tout dans la même approche. C'est deux approches différentes. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai la chance de pouvoir connaître les deux, c'est-à-dire le plan du jeu et le plan de la formation. Et on travaille sur les deux et ça permet même à nous de se développer, de développer nos compétences sur notre fonction d'éducateur. Et l'accompagnement scolaire, parce que quand on surveille quand même, on est attentif quand on est éducateur, ça ne peut pas aller que sur le terrain. Tout à fait. Mais d'abord, c'est un discours à avoir avec, en début de saison, on l'a fait au mois d'août ou juillet, on a réuni les parents et les enfants, enfin, les joueurs. Ouais. Les enfants, ils ont grands enfants. Ouais, les grands enfants, c'est quand même. Et donc la priorité, c'est le scolaire. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir avoir des lycées, mais notamment nous, en 14, c'est des collèges, mm-hmm. avec lesquels on a des rapports, et on a des rapports, je dirais, on sait comment ça se passe avec, de confiance, ouais. Avec on a un suivi scolaire. Et il n'est pas question qu'un gamin puisse, au détriment du scolaire, favoriser le rugby. Et jusqu'à, enfin, moi, ça fait 4 ans, on n'a jamais eu de soucis, de gros soucis sur des joueurs qui ont laissé le rugby, les jeunes joueurs, le scolaire, le scolaire pour le rugby. Pas l'un au détriment de l'autre. Non, ça peut arriver, mais ça ne nous est pas vraiment arrivé. Qu'il y ait des gamins qui soient en difficulté au niveau scolaire parce qu'il y a un problème de suivi pour des raisons autres que le rugby, oui, mais du rugby, non. Puis s'il y en a un prof qui nous dit, un directeur de collège qui nous dit, bon, avec ce gamin, c'est compliqué, à un moment donné, ben, on va convoquer les parents, on dira, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, puis on va privilégier le scolaire, c'est tout. Non, mais c'est parce qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, dans le rugby, comme on le vit, c'est plus l'entreprise, le rugby entreprise où on pouvait dire, tiens, tu vas jouer pour nous et tu iras travailler plus tard. Ça fonctionne plus comme ça. On sait très bien que le professionnalisme est en train de pousser aussi les personnes à avoir des carrières plus courtes et de pouvoir se reprojeter sur des plans de carrière. C'est très terriblement ingrat. Enfin, je veux dire, un joueur aujourd'hui qui peut avoir un cursus de jeune joueur bon, peu de main suite à une blessure. C'est vrai, c'est ça. Tout arrêté. Tout arrêté, quoi. Là, il est rapidement oublié par le monde du rugby. Donc, il a intérêt à avoir. Ah, parce que lui, il n'attend pas du rugby. Il faut préparer un après-rugby. Donc, lui, il n'y a pas des salaires normaux comme au foot. La carrière est courte. Et puis, un gamin qui est dans une école de rugby, ça va tout un citoyen, ça va tout quelqu'un qui va devoir faire sa vie. Comme le dit Fredo, s'il a un échec dans le rugby, s'il a une blessure ou un accident de la vie qui arrête sa carrière, faut pas que le gamin se retrouve à ne pas pouvoir exercer un emploi parce qu'il n'a pas fait la formation, pas parce qu'il n'a pas passé le diplôme. Ah, mais ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, par exemple, on appuie sur ça parce qu'on voit que depuis quelques années, il y a eu pas mal de problèmes justement d'après-carrière. Mais oui. Aujourd'hui, on le cible et même les clubs travaillent même des cellules de professionnalisation pour les mecs. Et je trouve que c'est intéressant aussi, dès le plus jeune âge, de pouvoir responsabiliser en disant le rugby c'est bien, mais l'école c'est mieux. Ah, mais oui. Après, ouais, ça peut arriver. Si l'objectif c'est de sortir, voilà, c'est ça. Forme des jeunes, c'est pour ça. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai du mal à entendre le discours. Oh, s'il y a un sorum par génération, ça c'est. Pour moi, ces gens-là font beaucoup de mal au rugby quand ils disent ça. Mais on sait quand même malgré tout qu'on ne se retirera pas 30 par génération. Non, mais ça, on le sait. Il faut être objectif dans les deux. Voilà, c'est toute l'équipe qui monte, quoi. Après, ça dépend ce qu'on appelle sortir un joueur. Parce que moi, pour moi, honnêtement, un joueur qui arrive à jouer à Fédéral Lune, bien sûr, qui arrive à percevoir quelques revenus, qui arrive à trouver un emploi. Ouais, Fédéral Lune, pour moi, il a réussi. Une belle carrière à Fédéral Lune aujourd'hui, sur 10 ans ou 12 ans, pour un jeune joueur, c'est joli aussi. Et puis, même si tu joues pas en top 14 ou en Pro D2, tu arrives à rencontrer ces mecs-là quand ils descendent en fédéral. Parce que la plupart. À partir de 35-36, tu les vois souvent le dimanche après-midi. Non, la Fédéral Lune, ça permet d'avoir des revenus, mais ils ont des contrats pro, la Fédéral Lune. Ils peuvent signer que sur un an, par contre, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est que sur un an. Mais après, il y a des personnes en Fédéral Lune qui arrivent à toucher un bon fixe, qui sont enfin semi-pro, qui arrivent à trouver un accompagnement dans une mairie ou ailleurs ou n'importe. Les frais de déplacement, ça leur permet d'en vivre. Donc, à partir du moment où je pense que quand quelqu'un peut vivre de sa passion, il a réussi. Bien sûr. C'est que les... Et après, moi, ce que je vois quand j'entends Fredo parler, je me dis, ben là, il vient de passer son BPJEPS, c'est ça ? Le DEGEPS. Et bien maintenant, on s'aperçoit que dans les écoles de rugby, les entraîneurs sont de plus en plus formés. Oui. Avant, ça n'existait pas, cette formation au niveau d'entraîneur. Maintenant, il n'y a rien de formé à tout. Maintenant, il y a une réelle prise en charge de l'entraîneur. Avant, c'était les anciens joueurs ou les joueurs qui venaient donner des coups de main, les seniors. Légalement, aujourd'hui, au niveau fédéral, responsabilité, on est obligé d'avoir, pour entraîner Goderman, on est obligé d'avoir un diplôme, notamment le diplôme d'État, dans les catégories donc, de top 14 et de Pro D2. Sinon, on ne peut pas
on peut pas entraîner, on n'est pas. Ouais, donc ouais, ça devient même c'est structuré à tous les niveaux. C'est logique, voilà. Parce qu'on demande de plus en plus de choses à tous les gamins. Donc, l'exigence de plus en plus importante, en termes de sécurité, etc. Après, bon, ça n'empêche pas, malheureusement. Il y a des accidents, il y en a partout, c'est pour ça que ça porte. Quand on voit les accidents qu'il y a avec la maîtrise qu'on essaye d'avoir, c'est inconcevable de faire ça sans la maîtrise. Mais oui, c'est sûr. En étant un ancien de l'aviron, qu'est-ce que vous pensez justement de l'aviron en ce moment? La saison qu'ils ont fait l'année dernière, du clubhouse. Ou du clubhouse, par exemple. Du clubhouse. Ben, je trouve que c'est... Grâce à la mairie. Du clubhouse. En fait, c'est pas. Le clubhouse. J'étais sûr que ça allait arriver sur la mairie au moment où il y avait des rencontres, qu'il y avait deux clubs à Castres. Le clubhouse. Pas tous en même temps. Non, je suis resté 15 ans, l'aviron castré, donc forcément j'ai. J'ai été joueur, entraîneur, échelle, école de rugby. T'as été champion ? J'ai été en 99, ouais, j'ai eu une belle aventure à champion des Pyrénées en première série, qui est une belle aventure, donc c'est un club de cœur. Et c'est pour ça que les éducateurs avec qui j'ai contact aujourd'hui, des cadets notamment, ou des juniors, je fais tout pour les aider au maximum, pour essayer de leur amener à d'avoir une relation au niveau des joueurs pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'ils ne soient jamais un manque de joueurs. Donc c'est, voilà. Après je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Ils sont en promotion, c'est ça, promotion cette année. Et c'est pas facile de vivre aujourd'hui à côté, en dehors du CO, mais il y a quand même des clubs autour comme on sort à bout de camp. Il y a beaucoup de clubs autour. Et c'est compliqué d'avoir une équipe compétitive, puisqu'ils l'ont, depuis quand même pas mal de temps maintenant. Il y a même un entraîneur qui est aussi depuis un moment. Ouais, en plus, ouais. C'est et ça, comme il y est depuis ça. Tellement longtemps, en ouais, fait, voilà, vous en avez perdu son nom. On l'appelle plus, c'est ça. On l'appelle plus. Voilà. Je savais que c'était ça. Prenez mon dossier, c'est bien, c'est bien. Voilà, moi j'ai toujours. Bon, voilà, après, je pense que c'était un club qui aurait pu. Peut-être qu'il pourra, hein, mais le problème, c'est au niveau des installations, c'est un peu difficile, là, effectivement. Là, ils n'ont pas leur stade. Bon, on voit que pour aujourd'hui, pour monter en Fédéral 3, par exemple, je pense que c'était un club à une époque, ils étaient. On était, enfin, je dis on parce que j'y étais, on était organisé, on avait quand même presque plus de 200 joueurs à l'école de rugby. Il y avait deux équipes cadets, deux équipes juniors. Il y avait, c'était un club où il y avait beaucoup de licenciés, un petit peu moins cette année. Je pense que c'est un club qui aurait pu à un certain moment franchir le cap, comme Soragout l'a fait par exemple. Bon, après, je pense qu'ils sont bien à ce niveau, je pense qu'ils vivent bien la compétition, ils sont bien entre eux, ils sont. Après tout, c'est l'essentiel. Et justement, parlons des stades, vu que nous avons quelqu'un dans la mairie de Castres. Eh, mais moi, il ne fallait pas que je vienne, ça va être le piège mairie. Donc, Est-ce que vous trouvez normal encore aujourd'hui, justement, que pour l'aviron, ils n'aient pas vraiment, ne serait-ce même des tribunes démontables, quelque chose. Ou pour les espoirs. Voilà, du pas cher. Et les espoirs en Castres Olympique. Qui jouaient, qui vont jouer le haut niveau. Mais c'est des projets qui sont à l'étude, après qui sont difficilement réalisables, d'une part budgétairement, puis après les tribunes escamotables par rapport au nombre de sécurité et tout ça. C'est très compliqué à mettre en place. Maintenant. C'est vrai qu'on développe, ça se développe petit à petit avec le rail qui a été consacré exclusivement au rugby. Ouais. Là, à la bord de basse, ils ont l'aviron à récupérer la cuvette qu'ils n'avaient pas avant à un certain moment. Le problème qu'il y a, c'est qu'à Castres, on se retrouve. On était la ville la plus sportive de France en 1995. Le sport à Castres est en train de re-exploser avec une augmentation de licenciés d'à peu près tous les clubs. On a des clubs de foot qui se forment un peu de partout, des clubs de rugby qui comporte beaucoup d'adhérents, et donc c'est compliqué parce que les terrains praticables de la commune ne sont pas extensibles, donc on se retrouve à devoir loger un maximum de clubs, tous les clubs qui se créent et tous les adhérents qui arrivent sur le même nombre de terrains. Donc c'est très compliqué pour nous de gérer tout ça, mais on y travaille, on essaye de trouver des solutions. L'aviron là qui va avoir un clubhouse bientôt, on est en train de travailler aussi sur l'aviron pour essayer de leur faire un parking, pour que les bus et tout ça puissent être dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà, avec la mairie, on travaille avec les budgets qu'on a. On a des budgets qui ne sont pas extensibles. On a des marges de manœuvre. On ne peut pas toucher aux employés mairie, par exemple. On ne peut pas les supprimer. On ne peut pas les licencier. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau du budget avec les réductions budgétaires qu'on perçoit de l'État. Ouais. Donc maintenant, ça devient compliqué. Mais on essaie de faire vraiment le maximum pour aider et accompagner les clubs, qu'est-ce qu'ils soient, que ce soit un club professionnel comme le Castres Olympique, mais un club comme l'aviron Castres, d'ailleurs, je pense qu'ils sont enchantés de savoir qu'ils ont un nouveau club qui arrive et voilà quoi. C'est des bons échos par rapport à ça, effectivement. Moi aussi, j'ai des bons échos. Après une tribune et tout ça, pourquoi pas, mais pour le moment, on fait petit à petit et on grandit avec nos moyens. Il y a les tribunes démontables, celles qui étaient au Castres Olympique et qui servent par exemple pour les festivals du monde. Pour les couleurs du monde. Couleurs du monde, ouais. Il y a deux tribunes qui étaient au Castres Olympique. Je ne pensais pas que ce soit les tribunes qui étaient au Castres Olympique.
Non, les c'était des concours du podium, quoi, qui sont des fois à location et qui appartiennent pas spécialement à la mairie, parce que la mairie n'est pas les anciennes, tu sais, quand ils ont fait le stade, quand ils nous avaient mis, quand ils avaient fait, en fait, les anciennes, les toutes anciennes, c'était les concours hippiques, les bancs en bois qui étaient scellés. Voilà, ça. Ça c'était montable, démontable, mais là c'est celle qui est à l'arrière dans les gymnases et tout, mais qui sont pas conçues pour l'extérieur. Ah, quand tu parlais de l'ancienne tribune, de la, voilà, les anciennes tribunes. Après, voilà, donc je pense que s'il y avait possibilité, si c'était à nous, on le ferait, parce que la mairie est là pour favoriser le développement et l'accompagnement du rugby et du sport en général à Castres. Maintenant, ce que je vous dis, le nombre de licenciés grandit un peu dans toutes les disciplines et on fait pour le mieux. Mais voilà, on a vraiment une politique où on veut favoriser le sport parce qu'on est conscient de l'intérêt des sports au niveau du rôle social, du rôle d'intégration et de la formation des futurs citoyens que peut amener le sport. Surtout que les espoirs ont joué le haut niveau, hein, vous savez, c'est pas... en élite, donc ça serait dommage. Il y a des gens qui vont voir, mais c'est vrai que bon, on est au bord du terrain. J'y suis aussi au bord du terrain, mais quand même, la main courante, ça sent la main courante. Non, mais bon, franchement, ça sent pas que la main courante. Moi, ça sent la bière, ça sent la pisse, ça sent la pomade, la pomade. C'est en voie de développement, on est en train d'améliorer les choses petit à petit. On essaye de faire avec ce qu'on a pour tout le monde. Donc, pour oublier personne, mais petit à petit, les choses se font et c'est dans l'avancée et c'est dans la continuité du projet municipal. Combien de sports sur Castres? Sur Castres, pour pas dire de bêtises, je crois une soixantaine de sports différents, quoi. Avec des gros clubs, avec il y a le tout là. Vous avez actuellement, t'es aujourd'hui, bon maintenant ça a bientôt fermé, mais vous aviez le forum du sport ce week-end, qui est organisé par l'office municipal des sports en collaboration avec la ville de Castres, qui permet d'aller, pour les enfants et les parents, d'aller découvrir des sports, d'aller s'exercer à des sports parce qu'il y a des ateliers pratiques, et ça permet de prendre contact avec des clubs justement pour pouvoir choisir dans quel sport veut évoluer l'enfant plus tard. Donc la ville de Castres quand même est vraiment tournée vers le sport. Il y a du curling? Non, je pense pas. Il y a du hockey, mais il n'y a pas de... Tant pis pour moi. Allez, okay, mais pour finir, moi j'ai encore une dernière question, notamment sur la jeunesse, la formation. Allez, on voit de plus en plus, moi j'ai chargé, c'est bon. Dans les clubs d'armée, on voit de plus en plus de clubs qui sont obligés maintenant de payer carrément les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Même s'ils n'osent pas l'avouer, certains évidemment. Après, ça concerne, bon, ça, les, au niveau des jeunes, bon, ça n'est pas ce qu'on appelle jeunes, mais... Dans les catégories juniors, cadets juniors, que ce soit chez nous ou ailleurs, enfin dans les clubs autour, je ne pense pas qu'il y ait une politique, enfin chez nous il n'y en a pas du moins, on ne paye pas les jeunes. Après que certains clubs autour qui évoluent à des clubs fédérales, alors après, c'est rémunère ou c'est pas la rémunération, c'est soit sous forme d'effraiement, soit sous forme de... Effectivement, il y en a, on les connaît, on le sait, mais ça se... Enfin, heureusement que ça se démocratise. Ouais, on en parle plus facilement quand même. Je vois par exemple, aujourd'hui, bon, il y a des clubs comme Royer, comme Mazamé... Il y a encore 10 ans, ça se faisait pas. Ouais. Ça se faisait pas, ça se faisait... Ça se faisait, mais c'était moins dit. C'était silencieux, c'était beaucoup plus. Il y a l'alcool, quoi. Quand il y a un club qui défraie un joueur parce qu'il doit aller de Castres à Royer, de Castres à Mazamé ou de Castres à Gaillac, ou peu importe, ça reste logique aussi, parce que c'est un coût de déplacement. Après, faut faire attention au prix du kilomètre quand même, voilà, pour certains. Parce que... Il faut rester sur les impôts, hein, logiquement. Voilà, tu ne peux pas aller au départ. Il faut attention quand même. Parce que, il reste dans le cadre légal. Il reste dans le cadre légal, parce qu'à une certaine époque, il y a eu probablement des abus, c'est sûr. Ils se sont fait reprendre, et aujourd'hui, pas les clubs ici, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu... T'as l'URSSAF qui te tombe dessus. Voilà, c'est dangereux pour les clubs. Maintenant, il y a le professionnalisme. Voilà, après... Moi, que les jeunes aujourd'hui qui fait 30 bornes aller, 30 bornes retour, qui se fasse défrayer parce que ça lui coûte une certaine somme, et qui puisse avoir un peu d'argent de poche à la fin pour pouvoir faire un coup avec ses copains, moi, ça me pose pas de problème particulier. Quoi. Après, ils sont étudiants, les étudiants qui sont à Toulouse, des choses comme ça, là, qui sont. Après, je sais aussi qu'il y a aussi d'autres. D'autres pratiques. Je sais aussi. En off. Voilà. On peut le son, si vous pouvez, on va en parler. Mais bon, on va faire des signes. Allez, on va conclure quand même, parce qu'on a encore dépassé le temps, comme toujours. Ah ben, encore. Plus c'est long, plus c'est bon. Et bien, prochain rendez-vous. Eh ben, rendez-vous samedi prochain, après la rencontre donc face à l'UBB.
Voilà, encore une émission réussie. On vous remercie, messieurs, d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Hein. Merci à tous. Merci. Au niveau de la réalisation, tout s'est bien passé? Ça a été Il est super sympa avec sa petite fraise à la main là depuis tout à l'heure, vous le verriez. Moi je trouve que son petit short rose il moulin un peu. Ça a changé. Hein. Et je crois qu'il va pouvoir jouer au Stade Français. Donc du coup, c'est un Parisien alors ça se comprend. Hein. Un Parisien ou footballeur? Les deux. Et Julien, en fait. On avait dit non, on avait dit non, on n'a plus le droit. Avant qu'on coupe, je voudrais quand même que le PSG et le Real Madrid sont dans la même poule. Et donc ce que je disais tout à l'heure à Julien. Il compte quand même 13 Ligues des Champions à eux deux. C'est pas vrai parce qu'en fait, il a une erreur dans ce qu'il dit. Il y a 13 Ligues des Champions et une Coupe des Coupes. Gagnée en 96 face au Rapide de Vienne, but de Bruno Ngotti. Donc, celle-là, c'était pour que la voiture aussi. Mais ça, on ne compte pas. Il y a 13 Ligues des Champions. Bon. Donc, du coup, on se donne rendez-vous. Si même... Samedi prochain, donc le match c'est à quelle heure? C'est 15h30. On se revoit pour l'heure de l'apéro samedi prochain. Voilà, c'est sûrement. Et du coup, ce qu'on fera, c'est que si certaines personnes veulent participer et pouvoir venir nous rejoindre, n'hésitez pas à laisser un petit message. Pas trop quand même. Pas tous, mais au moins de temps en temps, il n'y a pas de problème. Vous contactez directement. Merci le public présent dans la merci, salle. Bravo. Merci, bravo. On voit des prémices de bouteilles de rouge sur les étagères. Les maquillages ont été super sympas. Les maquillages extraordinaires. Merci pour l'accueil. Le café, le champagne, tout est parti. Merci, à bientôt. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci. Bonne fin de journée.